Et bonsoir à tous et bienvenue sur les antennes de la VDA TV. On est très heureux de se retrouver donc en ce mardi soir pour la deuxième manche de la Mazda MX-5 Cup by RSR eSport. Ça se passe sur le circuit de Tsukuba. Voilà ce qui nous attend, hein, dès 21h. Mais on a une nouveauté au sein de la chaîne, parce que voilà, vous allez le découvrir dans quelques instants en tout cas. L'honneur est pour moi ce soir de vous présenter un de nos partenaires qui passera donc cette soirée avec nous. C'est notre ami All Gamers. Comment vas-tu, Étienne? Bonsoir, bah bonsoir tout le monde. Bienvenue à toi sur le plateau de la VDA TV. Pour Merci rappeler beaucoup. Un petit peu le contexte, on est dans ton terrain de jeu. On Oui, est chez voilà. toi. Oui, voilà. C'est mon studio de stream à la base. Donc j'y travaille maintenant un peu plus, mais c'est vrai que j'avais beaucoup moins streamé qu'avant, et là je m'y remets à fond. Et en fait, c'est la VDA qui m'a donné envie d'y retourner, quoi. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. En tout cas, bienvenue à toi sur les plateaux de la VDA TV. Pour ceux qui ne le connaissent pas sur le chat, hein, c'est All Gamers. Alors, on va saluer le chat. Salut à Félix Ferrir, le pilote de la Tech 3 qui s'occupera du salon, enfin qui est déjà ouvert. Hein. Le salon est ouvert, messieurs, vous pouvez le rejoindre. On a Arnold également de la VDA qui nous a rejoint. Misery, donc nouveau pilote Storm. Donc, Johan Dynamics, c'est un grand habitué de la VDA TV, en tout cas, bienvenue à vous tous. N'hésitez pas à nous dire si au niveau du son tout va bien, parce que voilà, on teste un petit peu des nouveautés au sein de la VDA TV, donc notamment avec cette incrustation de notre ami All Gamer sur le plateau. Donc on a vraiment, vraiment besoin de vos retours, que ce soit au niveau du son, parce que voilà, c'est un petit peu voilà le dépucelage. Comme dit Misery, salut All Gamer, son dépucelage plateau. TV, et c'est lui à Phil Moinet de la VDA qui nous rejoint. On va parler la course du soir, hein, les qualifications commencent à 21h. Merci Arnold, là tu arrives, t'inquiète pas, il faut que j'y pense. Donc on a 13 minutes voilà, devant nous pour discuter un petit peu de ce que tu proposes au sein de ta chaîne, de tes activités. Donc on va passer là-dessus rapidement. Bon, l'histoire un peu d'All Gamers. Ça vient de quoi cette envie au tout début de cette aventure? Alors, c'était il y a 2-3 ans, j'avais envie de stream, je sais pas pourquoi. J'avais envie de partager ma passion des jeux vidéo, et du coup, j'ai voulu lancer ça avec François-VDA, du coup, mon frère. Et du coup, on a commencé à stream sur PS4. On a un peu galéré, parce qu'on connaissait pas toutes les technologies qui existaient. Et au fil du temps, bon bah, comme on n'habite pas côte à côte non plus, enfin, le groupe s'est dissous. Et bah, du coup, j'ai continué de mon côté tranquillement. T'as eu une petite période de pause un petit peu ces derniers Ouais. temps, là tu reprends tout doucement. Bon, ce qui a donc bon, tu vas développer ça au niveau des jeux là pour l'instant, sur quoi t'es un petit peu, sur quoi tu prends plaisir Alors, en ce moment? j'adore tout ce qui est RPG, MMORPG, tout ce qui est FPS, mais côté aussi MMO, donc du MMO FPS. Donc là, en ce moment, je suis sur du Skyrim et bah, du coup World of Warcraft depuis aujourd'hui. On va y revenir, ouais. Voilà. Et parce que je suis un ancien gros joueur World of Warcraft, et du coup, bah, c'était obligatoire pour moi de repasser par là aujourd'hui, quoi. Donc, Misery, la surprise, c'est assez les t-shirts, c'est aussi la compagnie, donc, enfin, le nouvel aspect technologique des futurs lives. Hein, on sera peut-être pas tout le temps à chaque fois tous les deux sur le plateau, mais en tout cas, voilà, il devrait nous accompagner régulièrement. Pour en revenir un petit peu, bon, on va aller voir un petit peu ce que tu proposes un peu plus grand pour nos spectateurs. Donc là, on est sur World of Warcraft. Alors, c'est pas du sim racing, hein, on est complètement sur autre chose, messieurs. Qui a déjà joué à WoW sur le chat? Dites-nous-le, parce que moi ça me rappelle d'énormes souvenirs d'enfance, et ils ont ressorti donc les serveurs classiques, hein, les toutes premières versions de WoW. Voilà, c'est les versions de WoW il y a 15 ans, donc à sa sortie. Donc il y a 60 niveaux maximum. La carte, bah, c'est la vieille carte de l'époque. La difficulté, bah, c'est la difficulté de l'époque, donc c'est vraiment, vraiment hard. Et bah, du coup, on redécouvre ça
à partir d'aujourd'hui, du coup, sur des serveurs officiels. Donc voilà, pour tous ceux qui ont pu goûter de près ou de loin un petit peu à World of Warcraft, les serveurs classiques viennent d'ouvrir. Alors voilà, c'est pas du jeu de voiture, mais bon, ça, je trouvais important aussi qu'on parle de ce que tu fais. Et je suis passé aussi par WoW quand j'étais jeune. Alors je m'y suis pas encore remis. T'essayes de me faire craquer? Là, tu vas craquer tout seul. Bon, visiblement, je devrais craquer, en tout cas, envers. On a aussi du Skyrim. Ouais, du Skyrim, ouais. Parce que c'est vraiment du RPG. Hyper poussé où il y a des centaines et des centaines d'heures à passer, il y a plein de choses à découvrir, donc moi ça me passionne, des univers autres, du coup ouais ça me passionne. Alors n'hésitez pas à nous dire hein, sur le chat si vous avez des questions pour notre ami Étienne, il sera un plaisir d'y répondre. Alors on utilise plutôt Twitch hein, quand c'est du stream de la sorte, ouais. Quand c'est vraiment du jeu personnel, c'est plutôt Twitch. Toi, t'évolues plutôt sur Twitch. Oui, voilà, oui. Bah, seulement Twitch. Pourquoi ? Pour moi, les jeux grand public, c'est vraiment Twitch. Les jeux hyper spécifiques, bah, c'est YouTube. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons à cela. C'est qu'en fait, sur des jeux grand public sur YouTube, ça va fonctionner, mais il y aura une population beaucoup plus jeune et du coup beaucoup plus compliquée à gérer en termes de chat et en termes de popularité, etc. Alors que sur des jeux hyper spécifiques, les gens ils cherchent quelque chose, enfin ils ont leur objectif, c'est par exemple de simulation de course. Ils savent ce qu'ils veulent. Après, on peut voir aussi que sur PS4, ça fonctionne bien sur YouTube. Ouais. Par contre, PC, ça fonctionne pas sur YouTube. Genre, e-racing, c'est vrai. E-racing, ça fonctionne pas. Puis il y a aussi ce côté où on va sur Twitch, on recherche par le jeu, alors que sur YouTube, ça serait plus par le nom de la chaîne. Oui, voilà, mais c'est ça. Donc c'est un système de recherche complètement, complètement différent entre les deux plateformes, finalement. Il y a aussi Mixer qui essaye de s'imposer, là. Qu'en penses-tu, toi? C'est un peu l'outsider, on a du mal un petit peu à décoller. Non, je pense que Mixer c'est pas mal. Après, tout ce qu'ils apportent, Mixer, Twitch va le récupérer. Donc, est-ce qu'il faut vraiment partir sur Mixer en plus? Donc, c'est-à-dire gérer une communauté encore supplémentaire. Ou alors faire que du Mixer? Que du Mixer, mais là c'est compliqué. D'accord. Parce que il y a beaucoup plus de viewers sur Twitch aujourd'hui que sur Mixer. D'accord. Et encore, les viewers qui sont sur Mixer, merci Ninja, merci des grands noms. Mais s'ils n'avaient pas été là, Mixer serait encore dans l'ombre. Donc, j'en vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Alors, côté chat, Phil Moinet, je suis trop console de base. Après, j'adore Diablo et Borderlands. Bon, c'est des jeux auxquels peut-être tu as pu essayer, regarder un petit peu ce qui se faisait. On a Misery qui n'arrête pas hein, avec Sainken. C'est tous les streams, il est là. Notre ami Misery, en tout cas, bienvenue. Enfin, avec plaisir de te retrouver. C'est le Ramucho de la GTWGP également. On va aller hein, sur le salon Farming Simulator. C'est vrai. Et il y a des fans hein, de Farming Simulator. Hein, Ouais, alors là, je comprends pas trop, mais chacun son truc. Hein. Il y en a. Bon, et puis après, c'est vrai que côté pour en revenir un petit peu à la VDA et à All Gamers, on se le cache pas, on est des amis d'enfance, particulièrement avec ton frère. Ouais. Après, je t'ai connu, toi, dans un second temps, très, très rapidement. Et c'est vrai que t'as fait aussi partie de ces gens qui m'ont donné envie de diffuser, quoi. Moi, je te dis, quand j'ai vu ton matos, je me suis dit, ouais, c'est pas mal son truc. Je pense qu'il y a quelque chose à faire sur le sim racing, ça se faisait déjà par d'autres chaînes, hein, comme Belgique Motor, GT Illusion, qui le font d'ailleurs très très bien, et qui, on s'entend très très bien, et s'ils passent sur la rediff, on profite pour les saluer. Donc, c'est toi aussi qui m'a donné cette envie, et je tenais à t'en remercier. Parce que, forcément, pour toi aussi, c'est des soirées un peu bloquées aussi, hein, pour le PC. Ouais, après, c'est l'entraide entre potes, quoi. Enfin, c'est normal. Pour moi, c'est normal. Bien puis, sûr. On a la même passion, on a une passion du jeu vidéo, forcément. Et puis, ça t'a aussi donné un petit peu, on va parler de ça un petit peu. Ouais. Ça t'a fait aimer, tu as mis le pied à l'étrier au jeu de sim racing aussi, ouais. un petit peu. Oui, voilà, oui. Alors, j'adorais Gran Turismo à l'époque. Mon Gran Turismo Sport m'a un peu vacciné, mais du coup, cette année, j'ai recommencé le Sim Racing par e-racing. C'est peut-être un peu trop complexe pour moi, du coup. Pour l'instant, ça va marcher haute. Ouais, là, je fais une pause parce que
bah, ça peut en dégoûter plus d'un, je pense. Donc, C'est vrai que voilà, dès qu'on passe GT Sport et Racing, bon, forcément la marche est haute, mais pas impossible. Donc voilà, en plus, voilà, la communauté VDA aussi t'as quand même aidé, parce qu'on pense à Phil hein, qui est sur le chat, qui bon, t'a vendu à, Ah son oui. volant a pris Ah non, c'est défiant clair. toute concurrence. Donc, Ah, c'est clair. un grand merci aussi à Phil pour ça. Voilà un petit peu ce qu'on a pu dire sur All Gamer. C'est quoi les objectifs là dans le long terme, on va dire? C'est vraiment construire sa commu déjà, avoir une base solide. Bah ça serait pas mal. Après, c'est compliqué à construire une commu. Surtout, bah, encore VDA, c'est quelque chose de spécifique. Donc ça touche un public vraiment passionné de quelque chose de spécifique. Alors que là, sur bah, par exemple, ce que je fais, tout le monde le fait. Bien sûr. Donc c'est beaucoup plus compliqué De s'imposer, de enfin s'imposer. Ouais. de émerger du lot, C'est quoi, parce ça. que c'est vrai que Ouais. y a énormément de monde. Salut à Ayrton Barr, Paul Juvenon également, de la VDA Dynamics. Moi j'ai trop hâte d'aller sur iRacing. C'est vrai que voilà, c'est toujours un jeu qui donne envie, malgré que voilà, sur console aussi, bah y a de très très belles choses. Notamment là, Gran Turismo est en train d'étoffer son contenu. Donc à voir. Voilà, on va fermer cette petite parenthèse hein, pour avoir présenté All Gamer. Il va rester avec nous, il va essayer de Essayez, co-commenter ouais. la course avec moi. Donc voilà, on vous demandera d'être assez indulgent. C'est la première fois aussi hein, que nous on commente en binôme comme ça, à peine à 1 mètre d'écart. Enfin sur le plateau, il y a un peu plus, mais en réalité on est vraiment très collés. On va finir par se faire des câlins, mais voilà. Mais On coupera les caméras. on coupera, ouais, en off, monsieur. En off. Mais Oui. voilà, donc. On vous demandera un petit peu d'indulgence, il peut y avoir quelques hésitations de ma part, comme je suis pas très habitué, et de la part d'Étienne, et également Misery, t'inquiète, on va le mettre à l'aise. On compte sur vous, messieurs. Gilles de la BSR qui nous rejoint. Salut les gars, il faut du temps pour iRacing, beaucoup de temps, trop de temps même, nous dit Gilles. C'est Et je suis. Ouais. quelque chose qui t'a frappé aussi, ça, dès le début. Hein. Ouais. Bah, t'es obligé de jouer tous les jours en fait. Et practice, practice, practice. Avant même de faire une course. Enfin, moi, je trouve ça assez usant en fait. Ouais, Mais. c'est vrai que ça peut en dégoûter plus d'un parce qu'on rappelle hein, sur le racing, vous jouez donc différentes séries, c'est un circuit par semaine donc on a tendance à trahir d'une série, à trahir d'un circuit. Pour celui qui veut s'en tenir à une seule série, c'est le même circuit toute la semaine et Ah c'est tous les oui. soirs quoi. Bah, de toute façon, s'il veut réussir quelque chose, t'as pas le choix, tu dois choisir une série. Ouais, en tout Tu cas. peux pas. Tu peux pas tout faire. Allez, place à la baston MDR en espérant qu'il soit plus calme aujourd'hui. Oui, donc voilà, c'était la petite partie présentation le gamer. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Et merci à Gilles également de la BSR, hein, Gilles 45 de la Belgian Speed Racing sur le côté. Et donc lui, il est du pôle iRacing. Et c'est aussi grâce à lui qu'on peut vous proposer tout ça à l'écran, tous ces montages. Donc un grand merci à Gilles, c'est vrai qu'on est bien entouré. Ouais, grave. Donc un grand merci et également Gilles qui a fait nos très belles livrées sur iRacing. Quelle heure départ des qualifs? Là dans 3 minutes, on va d'ailleurs basculer, allez, dans l'ambiance Gran Turismo Sport. Donc si vous souhaitez suivre Étienne sur Twitch, peut-être qu'on peut mettre ton compte Facebook sur le chat. Ou ton compte Bah, Twitch. plutôt À compte ce moment-là, Twitch, ouais. je te propose de commenter avec ton compte, comme ça ils auront Ouais. directement. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, messieurs, à sa chaîne, il en a besoin. Donc n'hésitez pas à le suivre. Voilà, c'est quasiment Parce que quotidiennement hein, quasiment quotidiennement. Et le problème, c'est que quand on fait une pause sur Twitch, bah on perd tout en fait. Il n'y a plus qu'à recommencer. Et Donc. ouais, voilà. C'est vrai qu'on a une famille à côté, ça peut demander du temps. C'est ça. Ayrton, merci, félicitations pour la Corvette Cup. Quel succès les inscriptions. Oui, on le rappelle, hein, la Corvette Cup est complète, messieurs. Donc nous avons lancé les inscriptions hier à 19h. À 19h50, nous avions nos deux poules. Et donc, c'est tombé là. J'ai regardé les messages tout à l'heure. On a donc trois poules complètes. 42 pilotes inscrits en moins de 24 heures pour la Corvette C7 Cup. La nouveauté également, que ça sera les trois courses seront à suivre sur le même live, sur nos antennes. Vous connaissez notre dispositif multiplex, alors on ne sera pas en multiplex pour les trois courses, parce que clairement, on ne peut pas suivre trois courses à l'écran. Déjà deux parfois, ça paraît compliqué. Donc nous serons en stream sur les trois courses. Donc la course A partira vraisemblablement à 21h, la course B à 21h30, et donc la course C
prendra le relais quand la A aura fini. Donc il y aura deux courses à l'image, mais jamais trois. Voilà un petit peu pour les détails. Pense à les ranger avant qu'un renard les vienne manger. Phil Monet. J'ai un peu de mal aussi à tourner toute la semaine sur un circuit. C'est pour ça que je varie les jeux et les plaisirs. Alors, départ des qualifs à 21h15. Nous annonce-t-on dans le chat. On aurait donc un petit peu de retard pour l'instant. Bon, bah, ça nous laisse le temps de d'échanger avec vous, comme tout ce que propose la VDA, toujours un succès. Bah, merci à toi. Salut à Chris de Laonnais, qui est habituellement consultant, qu'on aura le plaisir de retrouver. Voilà, ce soir, on voulait faire place à All Gamer, donc petite nouveauté également de la chaîne, hein, on a réussi à l'incruster au décor, mais ne t'inquiète pas, Chris, tu es le bienvenu quand tu veux. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît. Voilà, le fait d'avoir deux personnages un petit peu à l'écran, c'est peut-être pas forcément réglé optimal. Je pense qu'on est un petit peu gros, là, je vois ça un petit peu. Bon, ça va venir avec le temps, ça va venir. Voilà, donc les qualifications, donc départ des qualifs dans 15 minutes. Et après, on partira donc pour deux courses. Oui, le Mr Bean est toujours là, bien sûr, bien sûr. On attend juste que Étienne, voilà, partage le lien de sa chaîne dans le chat. Puis on va basculer. Donc voilà, vous pouvez, n'hésitez pas à aller vous abonner, messieurs. Ça me ferait également énormément plaisir. On va s'intéresser à cette course. On est que... Oula, attention. Petit craquage de ma part, mille excuses. On est sur le circuit de Tsukuba avec la MX5. Donc ça devrait... Alors, la semaine dernière, voilà, c'était un petit peu agité. C'est vrai que c'était pas toujours très propre. On espère avoir quand même une belle course ce soir, Étienne. Ah bah oui, mais de toute façon, il n'y a pas de raison. Quand tu vois les, enfin, les noms, enfin, ils sont connus quand même. Donc, ouais. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de... Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Bah oui, voilà. Ouais. Très dommage. Alors, on va regarder un petit peu qui on a en plus. On a Mister Dose de la BFR avec son pare-choc qui a prévu le pare-choc sur la numéro 46. Bon, pourquoi, ouais, pas, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. En tout cas, voilà. On a pris ses dispositions côté BFR. Le pilote de la TX3, le pilote belge Féchix. On a Jimmy de la PRST qui est aussi connu hein, sur YouTube. Jimmy de la PRST qui fait de très très belles vidéos. Sur YouTube, là ce ne sont que des pratiques, on va revenir à ça aussi. On voit de plus en plus de YouTubeurs, de Twitchers s'intéresser aussi aux jeux de simulation. Ça fait pas beaucoup d'années, hein. C'est quand même assez récent cet effet simulation. Enfin, je pense que ça a toujours existé. Maintenant, voilà, depuis quelques années, vraiment, on voit de plus en plus de championnats, de teams, de chaînes. Toi qui as toujours suivi les jeux vidéo, c'est vrai que les jeux de voiture pour toi, il y a 10 ans... Le stream, il y a 10 ans, il n'y a pas grand-chose, mais non, je pense que il y a tellement peu de personnes dans ce milieu-là qu'ils ont envie de partager à max. Ouais. Donc... Et tant mieux pour la commune. Ah oui, bah oui, carrément. Ouais. Genre Farming Simulator, désolé Misery, mais on voit pas de stream. Pas beaucoup. pas beaucoup. Alors on chambre un peu. On est un peu chambreur ici. Vous connaissez un petit peu la, voilà, la ligne un petit peu entre guillemets éditoriale de cette chaîne. On déconne, on se prend pas non plus trop au sérieux en essayant tout de même de l'être. Mais voilà. Salut à Harold de la Belgian Speed Racing. Il y a beaucoup de BSR sur le chat. Non, c'est PPDA qui est revenu après son lifting. J'aurais pas apprécié. Hein. J'aurais pas trop aimé ça, hein. Ils t'ont traité de PPDA. Alors, c'était, ah bon, c'était peut-être pour moi, mais on va dire que c'est pour toi. Je plaisante. Allez, Chambaz de la PRST, ici à l'image, pour l'instant, 3ème de CDC. On a Godot de la BSR. Tipol Walk, pour l'instant, 5ème devant Dark Rider de la BSR. On voit beaucoup de BSR hein, ce soir. On a le retour du pilote hongrois, si je ne m'abuse, au niveau des drapeaux. Voilà. On a Spoon de la RSR, donc le comité organisateur de cette compétition. On a une mission également de la RSR et donc un autre hongrois, c'est David Red. C'est vrai, on voit. Bon, enfin, ça c'est la culture qui veut ça, mais il y a une très bonne entente entre les Français et les Belges. On les retrouve souvent. Hein. Bah, toujours. Il y a toujours eu, enfin, je vois sur e-Racing, c'est toujours des équipes belges-France. Et souvent un panache. Ouais, bah, c'est souvent mélangé. Ouais. Donc voilà, les Espagnols qui ont un petit peu mauvaise réputation dans le sim racing, bon,
parfois, voilà, c'est un peu compliqué avec les Espagnols. Alors, Misery, laissez-moi cultiver les champs. Et donc, Yannick du PSG. Bonsoir tout le monde, bienvenue à toi sur les antennes de la VDA TV. Salut à Arnaud également, Next Crazy Pilot iRacing sur. Enfin, au niveau de la Belgian Speed Racing. Le stress ibérique nous dit Gilles. Pour l'instant, voilà, on est toujours en essai. Les qualifications vont donc partir. Là, mon fils a mis la main. Il y a une grosse marge Gran Turismo. Alors on a appris que Spa allait arriver quand on ne sait pas trop. La pluie également a fait son apparition. Etienne, il ressemble à Julien Arnaud. Je sais même pas qui c'est. C'est un présentateur de JT. D'accord. Oh, peut-être. Pourquoi pas. Alors, oups, là, j'avais oublié le son de jeu, excusez, salut à Fanny Sport, bienvenue à toi, c'est un certain de la VDA TV, Jimmy, attention pour le pilote de la PRST qui se sort sur le circuit de Tsukuba. Alors, connais-tu le circuit, tiens, un petit peu, Tsukuba, c'est quand même un classique de Gran Turismo. Ouais, je vois, ouais. Mais souvent, c'est, enfin, tu fais ça en deux chevaux, quoi. C'est un petit circuit. Ouais. On va pas y mettre des protos forcément. Oh, Dark Rider, la sortie. On voit déjà pas mal de pilotes à la faute. Bon, ces essais, c'est aussi, je pense, hein, pour l'occasion, pour les pilotes, de tester les limites de la piste, les limites de la voiture. Puis après, le stress va commencer à monter. Hein. Ouais. Mais surtout que, enfin, faut faire gaffe, parce que je pense que la MX5 est vachement joueuse. Je sais pas, sur Gran Turismo. Je l'ai pas trop joué. D'ailleurs, dites-nous hein, sur le chat. Et j'accélère de la PRST Team, bienvenue à toi, Kennedy. Bonsoir à tous, et Spa fin septembre. C'est vrai que ce circuit était attendu par la communauté. Ouais. Bah, ils ont mis 6 mois. Enfin, ça fait au moins 6 mois qu'il aurait dû sortir. Hein. Ouais, c'est un peu tard. C'est vrai que ça traîne un peu là-dessus. Mais bon, mieux au tard que jamais. Oui, c'est sûr. Mieux au tard que jamais. Je découvre vraiment sympa ce format, nous dit Jean-Luc Ferrand. Bah, bienvenue à. Toi, Jean-Luc, sur les antennes de la VDA TV. Donc là, pour l'instant, à l'écran, sur le double écran de la VDA TV que vous découvrez sur notre plateau, donc on est en essai. Hein, donc voilà, on y est tranquillement pour le moment. Adèle de la Honey Competition qui a fait son entrée en piste. Souci de prix pour avoir le contrat, si j'ai bien suivi, ce qui explique le retard. Ouais, c'est toujours des licences qui sont très très onéreuses. Ouais, ouais. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a quand même beaucoup de mises à jour sur Gran Turismo Sport. Ce qui veut dire que à la sortie de la PS5, il n'y aura pas de Gran Turismo. Comment ça? Bah parce que la sortie de la PS5, c'est fin 2020, si je m'abuse. Soi-disant. Ouais, enfin, c'est ce qu'ils la sortent. Ouais. Et bah Gran Turismo. De toute façon, le dernier qui est sorti pendant une console, c'était la PS2 et c'était le Gran Turismo 3. Donc ils ont déjà du retard. Quoi. Ah, on a eu Gran Turismo 5. Ouais, mais pas en même temps que la sortie de la PS3. Non, c'était peut-être pas effectivement. Tu me mets un petit doute là. Tu me mets un petit doute. Un mix. Ouais, n'hésitez pas à nous éclairer hein, sur le chat. Merci Jean-Luc. Gilles qui nous dit la direction du circuit aurait voulu augmenter le prix pour la licence. Ouais. Ah, c'est vrai qu'ils sont assez gourmands, visiblement, les amis belges au niveau des tarifs. En tout cas, voilà, ça reste quand même une très très bonne nouvelle. On a l'Allemand Modi qui a fait une très très belle course lors de la première manche, qui est actuellement en essai aussi sur la numéro 8. Je sais pas si tu avais suivi la première course. Pas du tout. Pas du tout. Bah, donc, tu vas découvrir hein, tous les pilotes, donc, notamment les pilotes de l'IGTSH. Salut à Jarod qui nous rejoint. Vous avez testé la pluie et nous on n'a pas encore testé. Et d'ailleurs, on se disait, vu que bah, le format ici sur ce championnat est assez court, on pensait peut-être faire un open salon après. Pourquoi pas aller tester cette pluie. On fera peut-être un open salon vers 22h, 22h15, suivant comment ça se finit ici. Et donc, vous pourrez nous rejoindre et bah, on commentera hein, bien sûr un petit peu cette nouveauté. Chacun donnera ses avis par rapport à comment il le ressent la piste, par rapport à la pluie, ouais. Si c'est. Ah, moi j'ai pas du tout essayé, j'ai même pas regardé une vidéo, j'ai gardé la surprise totale. Par contre, c'est un peu dommage voilà, que c'est pour l'instant, alors je sais pas si c'est prévu d'évoluer, ça reste sur un seul circuit, hein, c'est sur le Red Bull Ring. Qui n'existe pas, je crois. Si. Excusez-moi. Voilà là. Ah, Etienne n'est pas trop sim racing, hein, messieurs, donc voilà. Il est bien calé sur d'autres choses, mais pas forcément sim racing. Pas forcément voiture. Ouais, voilà.
On attend juste Arrow et on va lancer, nous dit Sim2B, parfait, bon sortie de question qui fait la poule C et D. Alors il n'y a qu'une poule B hein, sur ce championnat, et c'est d'ailleurs avec notre ami Manolo qui était au commentaire avec moi il y a 3 jours sur donc la Belgian Spirit TV officielle, il me semble, si je ne m'abuse. Haro pourra peut-être nous le confirmer sur le chat. Voilà, donc les qualifs ici, on va le lancer. On attend Haro de la BSR. La pluie grippe mieux en GR3 que GR4, c'est juste ça qui est dommage. Et très glissant avec l'anti-patinage inactif, super sensation. Pourquoi pas? Il devrait arriver en septembre, Spa. Donc ça serait pour ce mois-ci. Hein. Enfin, le mois prochain. On est quasiment au mois de septembre, mais pas encore. Donc les qualifs, départ dans 5 minutes. Voilà. On va suivre ça. Alors, hop. Alors, n'hésitez pas à nous dire hein, si voilà, ça vous plaît, hein, le fait qu'on soit deux à vous commenter cela, ou si vous préférez plutôt un mono commentary. N'hésitez pas à nous à faire. Vos retours. Ça devrait pas tarder à partir là. Pour l'instant, c'est l'Allemand hein, qui mène avec un 1.02.761. Déjà 3 bons dixièmes d'avance sur son coéquipier. Bon, là, Étienne. Ah, Mister Do! Attention, au moment où l'on vient de voir ça, c'est le pilote de la BFR qui revient 2 dixièmes. Bon. Ça, là, on arrive sur la fin des essais. Les pilotes vont ouais. commencer vraiment à jouer des coudes et à vouloir se montrer. Hein. C'est ça aussi. Hein. Ouais. Et après la gestion d'essence, comment ça se passe? Parce que en practice, il n'y a pas de. Alors là, au niveau de l'usure, je crois qu'ils sont en x2, il me semble. On peut aller vérifier ça ici. Alors on sait que certains championnats voilà, préfèrent pour les qualifs ne pas mettre d'usure parce qu'il y a. Fameuse question du burn fuel un petit peu des pilotes, enfin c'est avec malice hein, mais d'abord dites-nous un petit peu ce que vous pensez hein, de ça, des pilotes qui vident au maximum les réservoirs quitte à voilà faire hurler un petit peu tout ça. Je sais que sur la FIA ils l'ont fait, parce que j'ai regardé quelques manches de la FIA et alors on sera en consommation de carburant donc de x12 et pneumatique x25. Donc ça va être tendu. On risque sans doute d'y avoir pourquoi pas des arrêts au stand. Alors que la prochaine manche voilà, sera sur Sardaigne C. Ça sera à suivre donc dans 15 jours pour cette MX5 Cup by RSR eSport. Alors hop, juste le temps pour moi. Effectuer quelques. Non, je ne l'aurai pas. Ça fait vraiment très pro comme ça présenté. Bravo à vous, nous dit GKNN. Ben, merci à toi pour ce retour. Ah oui, il y a Jimmy de la PRST. Côté PRST, il y a Jimmy et Chambaz. Salut à IVRT, CPA, c'est CPR, c'est GTS, statut de joueur. Bienvenue à toi. Alors quelques manips. Ah non, pas de don, messieurs. Pas de don. Alors c'est toujours l'Allemand qui mène devant le pilote français et l'autre nationalité représentée sur ce podium, c'est le Belge. Trois nationalités représentées sur le podium pour l'instant de ces essais, c'est sympa à voir. Ouais, on a le Hongrois aussi hein, qui se débrouille bien, et tiens, je sais pas ce que t'en penses, mais pour l'instant, quatrième. C'est très tendu hein, avec Adèle Delaunay. Avec trois, c'est quoi, c'est 3 millièmes. Millième, ouais. Ouais, 3 millièmes entre le Hongrois et le Français. Alors, départ des qualifications dans 2 minutes. On a côté BSR, donc Dag Rider et Godot pour l'instant. Un petit peu en retrait hein, de ces essais. Ils sont plutôt dans le bas de classement. Mais attention, voilà, ce ne sont que des essais. Admission de la RSR est en piste également. Alors que Spoon est toujours au stand. Tipo Walk également au stand.
Après, ouais, entre le Hongrois. Ah, bah non, c'est les deux Hongrois Ouais, maintenant. les deux Hongrois qui se rejoignent. Ils sont coéquipiers d'ailleurs, la même équipe. Moins d'un dixième entre les deux pilotes. On pourrait avoir une belle bataille interne chez IG TSH. SH. SH. Il faut voir aussi par rapport au carburant, enfin, ce qu'ils ont, quoi. Ouais. Parce que s'il y en a un qui roule plein et l'autre. Ouais, ça sera à surveiller. Alors, pour l'instant, David Red hein, en actuel et plus léger. Et Arrou qui nous rejoint de la Belgian Speed Racing. Donc voilà, on va pouvoir lancer les qualifications. Qualifications qui partiront donc pour un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est le format correct hein, pour faire une qualif. Ici sur Tsukuba, en plus, le tour se fait assez rapidement hein, Ouais, c'est finalement. un petit circuit, donc il y a pas mal de tours, je pense. Bon, il y a quasiment, ouais, 14 tours. Ouais. C'est pas Alors, le mal, tour hein. À de d'honneur sortie, ou... Ouais, je crois. tour de sortie, tour de rentrée. Donc, voilà, peut-être d'autres pilotes aussi qui vont prendre un peu plus de temps. Le mode spec ne bug pas tout. Non, pour l'instant ça va, on touche du bois. Pas de bug. Mister Dose de la BFR sur la numéro 46, toujours deuxième de ses essais côté BFR. La BFR qu'on voit souvent sur la vidéo Ouais, TV. ouais. Bah, tout le temps, puis après, même sur iRacing, on les voit, donc... Non, c'est BSR, pardon, BSR, BSR, ouais. BSR. En tout cas, BFR très présent hein, sur Gran Turismo Sport. Alors, on devrait lancer d'une minute à l'autre. Parce que sur les éditions du Mans, ils étaient là dès le début, Ouais, BFR. Avec notamment Anderson, hein, BFR Anderson, Exact. double vainqueur des éditions Le Mans by VDA. Donc ouais, vraiment la BFR, ça roule très très bien. Salut à Jean-Pierre Pilu qui nous rejoint. Et ben, je te présente Allgamer, notre partenaire qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur le plateau. Bonsoir. Donc voilà, Étienne hein, plus intimement. Ouais. Allez, les qualifications sont donc parties. On va passer sur le plateau course. Et c'est pas évident hein, de se faire une place comme ça au sein Bah d'un ouais, plateau. bah c'est un petit studio de 2 mètres carrés, ouais, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas évident. Allez, les qualifications sont donc parties, messieurs. On est en compagnie d'Allgamer, notre partenaire de la VDA TV. C'est donc parti pour les qualifications avec déjà Mister Dose qui prend la piste sur la numéro 46. On a également le pilote de la TX3, Fechix, le Belge, qui déclenchera en premier la cellule chronométrique si tout se passe bien pour la numéro 17. Salut à Ripa de la BSR. Salut à Bruno de la VDA qui nous rejoint également sur le chat. On est en compagnie d'Étienne. Salut à Mister Nice qui nous rejoint de la BFR, la BFR TV également. On vous invite à suivre nos confrères de la BFR TV qui font aussi un très très beau boulot. Salut à Mathias de la JO eSport. C'est vrai que tu as connu cette époque où j'étais à la JO eSport, hein, tout début. C'est au tout début. Ouais. Tout début. Allez, on suit le tour du pilote allemand. Belge, pardon. C'est compliqué là ce soir. Alors dites-nous si vous avez assez de son de jeu, hein, messieurs. Peut-être monter un petit peu. Allez, sur premier droite. Pour l'instant, ça se passe bien pour le pilote belge. J'ai l'impression que ça glisse. Ah, ça joue un petit peu, hein, ça joue un Ouais, petit j'ai peu forcément. On regarde également hein, les réservoirs pour l'instant. Voilà, on est parti avec beaucoup de réservoirs pour les pilotes de la TX3. Salut à Asté de la RSR. Bienvenue à toi sur le live de la VDA TV. Et il y a des pop-up girls sur le chat, visiblement. Marie-Jeanne Brûlé. Bienvenue à toi. Et Mister Nice qui dit franchement à deux, ça déchire. Bon, bah, si les retours sont dans ce sens, c'est que voilà, ça vous plaît. Oh, attention, là on rentre en travers. Mais oh, t'as vu, Etienne, l'énorme glisse là quand même à MX5. Ah, c'est limite à aller dans l'herbe quand même. Ouais. Allez, le premier temps, une 0,2,9 pour l'instant. Le pilote TX3 qui mène. Mais attention, tout le monde n'a pas passé la ligne. Jimmy Laperreste, troisième pour l'instant, il semble pas. Et si, Chambaz de Laperreste qui vient déjà chercher cette troisième position provisoire. On suit les arrivées sur la ligne. Attention, les Hongrois, on sait, ils étaient en forme tout à l'heure aux essais. Par contre, moi j'ai cru voir un Hongrois déconnecté juste avant Alors, j'en ai le deux. lancement de qualif. Non, non, on est bien 14. Hein. C'est ce qui était prévu, me semble-t-il.
à suivre ça. Alors pour l'instant, voilà, les deux pilotes de l'IGT à sèche, pour l'instant 7 et 8, hein, alors qu'aux essais, voilà, ça tapait fort. Et si, voilà, le pilote allemand qui vient s'emparer de la pole position provisoire, une 02.820, on l'a vu à la première manche, c'est un pilote très à l'aise. Pour l'instant, voilà, c'est la pole position provisoire. Il reste 11 minutes de qualification. Et ouais, comme nous dit IVRT, Léon Roy, faut faire attention à eux. Je connais les types, je suis patate. C'est vrai qu'on l'a vu en essai, hein, ils étaient Ouais. vraiment en forme. Hein. Ah, et puis tu vois qu'ils sont réguliers parce qu'ils étaient à quoi? Un dixième Ouais, d'écart? voilà, ils sont quasiment sur le même rythme, du moins en essai. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut aussi convertir. Hein. On vient de passer le cap des essais, on vient de rentrer en qualification. Allez, on suit d'éventuelles améliorations. Pour l'instant, pas de changement. Mister de Zalabé faire pour l'instant 4ème à 11 millième de champ base de la PRST. Autant vous dire que c'est vraiment rien. Attention là, le pilote belge qui tente de s'infiltrer à l'intérieur. Trajectoire très différente entre les deux pilotes. Et merci hein, pour Labo. Un grand merci. Alors j'ai loupé le nom. Merci à ASTF. FPV, ouais, pour le sub, enfin pour Labo, un grand merci à toi. Ah oui, ça active forcément notre ami Mr. Bean. Et amélioration là en 1.02.7, 2 dixièmes d'avance au pilote de la TX3. On suit peut-être Jimmy de la PRST, pour l'instant 8ème, le pilote français qui a la lutte avec Adèle de Launay. Launay qu'on retrouve souvent, hein, que ce soit ici ou sur nos championnats également. Une belle équipe aussi, Launay. Bah, c'est pareil, ça y a Adèle, a déjà couru au Mans, il me semble. Ouais. Ouh, attention, on l'a vu entre les deux voitures de la BSR, c'était un petit peu chaud. Pas de contact, mais je pense que c'est un petit peu gêné. Alors, le prochain pilote à passer la ligne. Ben, je le trouve. Ben, il a plongé au stand, c'était Fechix de la TX3. Allez, Jimmy de la PRST, pourquoi pas améliorer pour le pilote français. On ne le présente plus, Jimmy de la PRST. Ça sort large par pénalité. Et une seconde de retard. Spoon de la RSR, toujours 7ème. Pourquoi il s'arrête en qualif? Alors, sans doute pour changer de pneumatique. Hein, voilà. On rechausse des gommes neuves en deuxième partie de qualification, vu qu'on a allégé le réservoir pour profiter voilà, d'un meilleur capital pneumatique. Donc, pour rappel, hein, Étienne débute un petit peu dans le sim racing. Donc, voilà. Il nous demande quelques précisions. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Je vois que ça fait plaisir aussi à nos viewers. T'étais un peu stressé avant de commencer, Toujours. Ça va mieux un peu là? Oui. On respire. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de noms que je vois sur le chat que je connais déjà, mais depuis bah, quelques temps que je regarde les lives VDA. Ouais, mais tu connais de noms quoi, voilà. Mais de pseudos. Ouais. Alors que toi, tu les connais un peu plus. Beaucoup plus. Un peu plus. Beaucoup plus. C'est un peu stressant. Et le pilote de la TX3 qui donc est sorti des. Oh, et merci à GTSCPR 28 joueurs pour son don de 20 euros. Va vraiment falloir arrêter là, Gwen. Ça. Bon, voilà, on va le faire à chaque fois. Hein. Enfin, casser sa tirelire pour nous quand même. Mais en tout cas, un grand merci à toi donc pour ce type de 20 euros. Voilà. Aussi, c'est vrai, Etienne, bah, vu qu'on est partenaire, donc, bah, ça m'aide aussi. On partage donc, aussi voilà, un grand merci. Le matos. Et donc le fond vert, hein, ben, il est aussi pour toi. Il reste ouais, ici, au sein du studio. Donc un grand merci à lui. Et bonsoir à Chonchon. Oui, Mister 12 qui vient de prendre la pole position pour la BF Racing, la numéro 46, qui vient de s'imposer avec un 1.02.685 à 7 minutes de la fin de qualification. Quel gros temps là du pilote de la BFR. Là, c'est ouais. Très très tendu hein, entre le français et l'allemand. Ça doit être les bandes rouges, ça, derrière, je crois. Ouais, il a fait une petite déco. Oh, Fechix de la TX3 qui vient prendre la pole. Mister 12 pour améliorer, peut-être. Non, oui, l'allemand, il arrive sur la ligne, pourquoi pas
reprendre cette pole position. Énorme bataille là pour la pole position provisoire. Et non, ça reste derrière. Pour l'instant, c'est la TX3 donc, qui mène cette qualification avec un dixième, un petit peu plus d'un dixième d'avance. Chambaz qui vient de remonter à la quatrième position également pour la team PRST. Finalement, les Hongrois, 5 et 6. Je m'attendais clairement à les voir au-dessus. Hein. Ouais, bah ouais, après, bon, c'est pas fini. Hein. Ouais, mais on l'a vu, on essaie, ils étaient vraiment à l'aise. Hein, donc, ouais, ouais. Voilà. Ils laissent peut-être couler. Ouais, c'est vrai. Histoire de, voilà, d'avoir un avantage sur la fin, peut-être. Ouais, pourquoi pas, c'est vrai. Voilà. En tout cas, pour l'instant, les Hongrois prennent leur temps. Pour l'instant, Chonchon qui nous demande c'est qui à côté de toi. C'est notre partenaire All Gamer qui est à mes côtés, voilà, qui. Voilà, on voulait le présenter un petit peu à l'antenne parce que bah, cette formidable aventure, la Virtual Driving TV, c'est aussi grâce à lui. Donc bah, déjà, en tout cas, merci à toi, hein, parce que c'est vrai que ça fait maintenant pas mal de temps qu'on est ici. Et donc voilà, il commence un petit peu les jeux de simulation de voiture. Je souhaitais le mettre à l'honneur sur la chaîne. Et puis bah, toi aussi, tu voulais t'essayer peut-être un petit peu au commentaire, un petit peu. Ouais, bah, parce que je pense que ça me déplairait pas, mais enfin, il y a du travail, quoi. Ah, c'est bien sûr, mais il faut voilà. Oh, l'énorme travers là du pilote hongrois. Attention, c'est très chaud. Pour l'instant, le top 3 est inchangé, même le top 4. Adèle de la Honey qui remonte au 5ème rang pour la Honey Competition. Ça remonte bien là aussi pour le pilote français. Allez, c'est Mister Dose de la BFR qui passera en premier la ligne des 5 pilotes de tête. On va suivre si le pilote de la BFR peut aller chercher cette pole position. N'hésitez pas à nous dire hein, sur le chat qui vous voyez aller arracher la pole. Il reste 5 minutes. Et ça rentre pour Mister Dose. Il n'y a plus de carburant. Ouais, ouais, ouais. Il était temps de s'arrêter pour le pilote de la BFR. Le pilote allemand également qui plonge dans la voie des stands. Voilà, tous les réservoirs commencent à être à sec. Je suis en base de la PRST, pourquoi pas. Il n'est pas très loin. Hein, un peu moins de 2 dixièmes. Pas d'amélioration, on suit Jimmy la PRST. Pas d'amélioration non plus pour le duo de la team PRST. Après, maintenant il a champ libre. Il n'y a plus personne devant. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, voilà. Pas mal de pilotes qui rentrent au stand. Donc, c'est vrai que tu as pu constater toi aussi quand tu as un petit peu joué. En qualification, c'est toujours bien d'avoir une piste libre. Bah oui, parce que bah, déjà, t'as pas le stress. Après, par contre, on n'a pas d'aspiration. Non, mais au moins, t'as pas de stress de te foirer dans un virage ou. Bien sûr. Là, tu connais ta piste, tu connais ton circuit, voilà, tu sais, tu connais tes points de freinage, t'as plus qu'à y aller. Ouais, exactement. Très bien résumé. Côté chat, Jean-Pierre Pilou, oui, c'est RGF JP61. Bienvenue à toi, on commence à être un habitué ici à Bruno hein, de la VDA TV. C'est une des forces aussi de la VDA d'avoir un petit peu tous les âges hein, au sein de l'équipe. Ouais, on a notre papy Ryoken. Je sais pas si j'ai la sœur. Mais... L'ancien. Bah non, Bruno est le plus âgé. Bruno est le plus âgé. Phil également, hein, qui est plus. Toute jeunesse, si je puisse dire, mille excuses, Phil. Mais voilà, non, c'est vrai que ça fait énormément plaisir. Et c'est vrai que bah, nous aussi, ça nous apporte l'expérience. Hein, l'expérience de ces joueurs hein, qui, par exemple, Phil, je crois, est sur les jeux simulation PC depuis 2011. Hein, donc, ça... Oui, et puis plein de simulations différentes. Et oui, Phil qui a un touche à tout. Et salut à Florian Renolo, nouveau pilote de la VDA, To Be Fast VDA. Pourquoi ça s'affiche mon ancien pseudo là? Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop. Il faudra que je regarde ça. Ultime tentative pour ces qualifications. Attention là, le pilote de la TX3 qui est en plein dans le trafic, on en parlait justement tout à l'heure. Voilà, c'est là où on peut clairement perdre du temps. Hein. Ouais, parce que là, forcément, il va être gêné ou. Enfin. Ouais. Ou déstabilisé. Par contre, il peut être aspiré aussi. Mais, c'est un petit peu petit bonheur la chance, hein, ce trafic. Ah, sur Gran Turismo, oui. Mais ouais. Sur d'autres simulations, non. Bah, légèrement, mais. Mais beaucoup moins, c'est vrai. Le premier champion ne le dira jamais assez. C'est vrai que Phil Moinet, premier champion de la VDA, et François Berthaud qui nous rejoint, qui n'est autre que mon frère. Que ton frère, que tu aimes tant. Ah oui, bah je l'ai pas choisi, mais bon. Salut François. Bon, vous aurez compris un petit peu le contexte hein, de cette soirée. Voilà, on est un petit peu moins dans le sérieux, plus un petit peu plus dans la déconnade. Salut donc à François.
qui nous rejoint. Allez, fin de qualification. On suit quand même ce qui se passe. Le pilote de la TX3 est au stand. Alors dites-nous, messieurs, si vous avez assez de son de jeu, hein, au niveau du son. C'est vrai qu'on a pas mal galéré un petit peu avec les paramètres son. En tout cas, on suit cette fin de qualification. On est en compagnie d'Old Gamer et vous êtes 35 sur le live. Un tout grand merci à vous tous. Ça fait plaisir. Hein. Ah, ça fait chaud au cœur. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre vos pouces bleus, hein, messieurs. Toujours le Belge devant l'Allemand qui est passé devant Mister Dose et les trois premiers pilotes qui se tiennent en un tout petit peu plus d'un dixième. Il y a Chambaz, allez, on va le compter dedans, hein, le top 4 en un petit peu moins de 2 dixièmes. C'est très très chaud et voilà l'Allemand qui vient de taper le chrono provisoire de la pole position, 1-02-514. On l'avait dit, l'Allemand, il allait être en forme. Puis là, il reste un tour, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Là, c'est leur dernier tour à tous. Non, ils auront encore un autre... Ouais, je pense qu'ils auront encore une autre tentative. Parce qu'ils vont passer la ligne avant la fin du chrono. D'accord. Okay. Je pensais que ça s'arrêtait net. Non, il me semble qu'on peut finir son tour. C'est vrai que depuis qu'ils ont instauré le nouveau système de qualification, j'ai un doute. N'hésitez pas à nous le dire hein, sur le chat. Pas de la science infuse non plus. Salut les gars, merci Étienne. Il te passe des grands mots d'amour. Allez, le pilote de la BFR, peut-il aller chercher cette pole position? Il passe la ligne là, actuellement et on est en retard pour Mister Dose de la BFR. Peut-être Chambaz de la PRST pour aller s'infiltrer sur le podium provisoire de ses qualifications. Non, 3 dixièmes de retard. Les pilotes ont gros finalement. Je l'ai pensé. Franchement, j'aurais pensé en voir un, au moins un dans le top 3. Bon, pour l'instant, ils sont 5-7, ce qui reste tout à fait honorable. Ouais, mais par contre, j'ai l'impression que tout se tient dans un mouchoir de poche. Alors, on va regarder, effectivement. Enfin, les 5 premiers. Ouais, les 5. Les 5 premiers ont un petit peu plus de 2 dixièmes. Et donc, la grille complète se tient en 1 seconde 8, ce qui n'est pas non plus. Enfin, le circuit est assez petit. Bon, ça reste des écarts assez logiques, c'est ce qu'on voit généralement. Fin de qualification. Oh, regardez l'Allemand. Est-ce qu'on n'est pas en surpilotage là, du côté de l'Allemand? Tu l'as dit tout à l'heure, le trafic, voilà, c'est là où on peut faire des erreurs. Et c'est ce qu'on vient de voir à l'image. Un petit coup de stress et c'est fini. Allez, Mister Dose de la BFR. Et non, qui au ralenti, ça sera donc terminé pour le pilote français. Chambaz, pourquoi pas. Ultime tentative, pas d'amélioration non plus. Allez, Jimmy de la PRST. Et c'est lui à Spartiate qui souhaite bonne chance au pilote de la PRST. Et justement, Jimmy, donc, qui rentre au stand. Le pilote de la RSR, le comité organisateur de ce championnat, pourquoi pas aller chercher mieux qu'une 9e position sur la numéro 93. Et c'est lui à Skyline qui nous rejoint. Bienvenue à toi sur l'antenne de la VDA TV. Nous sommes en compagnie de notre partenaire All Gamer pour ceux qui arrivent. Voilà. Alors, ça sera donc terminé pour l'ensemble des pilotes, à mon avis, oui. Donc, on rappelle le format, hein, deux courses ce soir. Donc, une de 9 tours et l'autre de 20 tours. Si je ne dis pas de bêtises. Et normalement, ça devrait être ceci. Allez, on va rebasculer un petit peu sur le plateau de course. En attendant, Étienne qui va nous rejoindre un instant à l'autre. En tout cas, merci à vous tous. Et merci Skyline qui nous dit statut le fond vert, vous avez bien évolué, sérieux, bravo à vous. Et ben merci à toi, on espère que voilà. Ça te plaît. Salut à Dédé de la BSR qui nous rejoint également. Ceux qui nous rejoignent, on est deux hein, ce soir à vous commenter ça. Deux à l'écran hein, sur le plateau. Vous voyez, le siège s'est vidé là-bas, l'autre côté du plateau, mais il va revenir. Étienne, hein, petite obligation familiale, bien sûr. Hein. La vie de famille avant les jeux vidéo, ça, c'est une valeur qui se doit d'être respectée. Allez, le départ dans quelques instants. Merci Skyline. On espère que tu apprécies. Et vous êtes une quarantaine sur le live, un grand merci à vous tous, ça fait plaisir. Vous
d'être de plus en plus nombreux hein, à chaque diffusion, et ça nous fait vraiment vraiment plaisir. Voilà, c'est signe aussi bah, voilà, que notre travail paye, ainsi que les efforts fournis par moi-même, tous les admins de la VDA, les Gilles de la BSR qui nous a aidé à concocter ce plateau également. Et salut à Romain, comment vas-tu? Et re Mr. Nice qui arrive pour le départ de cette première course, alors qu'Etienne devrait nous rejoindre. On rappelle qu'on est deux sur le plateau. Etienne a dû s'absenter, mais il va nous rejoindre. Allez, donc c'est le pilote allemand qui partira en pole position devant le pilote de la TX3, suivi des deux pilotes français, Mr. Deuze et Chambaz, le pilote hongrois finalement qui complète ce top 5. Alors, en espérant que je vais pas avoir de soucis spec, c'est un peu le souci que j'ai en ce moment. Même en quittant et en revenant les salons, des fois ça ne marche pas, mais là ça semble coller. Allez, 9 tours dans cette première course. Et c'est parti, très bien parti pour le pilote allemand. On surveille derrière, bah, départ lancé, donc forcément il y a des écarts entre toutes les voitures. Pour l'instant, pas d'attaque au virage 1. Non, 7 dixièmes d'avance pour l'Allemand devant le Belge. Voilà, pas d'erreur non plus pour l'ensemble du peloton. Attention, Chambaz qui serait déjà sous la menace du pilote hongrois. On l'avait dit hein, en essai, l'Hongrois avait montré de belles choses. Et là, attention, il pourrait s'attaquer à Chambaz. Alors, deux petites minutes. Est-ce que ça s'est réglé? Oui, parfait, parfait. En tout cas, bienvenue à vous tous hein, sur le live si vous nous rejoignez. Allez, l'Allemand qui mène toujours cette course avec 5 dixièmes d'avance devant le pilote de la TX3. Chambaz résiste bien au pilote hongrois. On l'a vu. Oh, attention! On a failli se sortir pour le pilote David Red de l'IGTSH. Pas facile à dire. en tout cas, ça tient. Pour l'instant, voilà, pas de grosse attaque. Tout le monde se suit un petit peu dans ce début de course. Allez, le pilote de la TX3 peut-il mettre la pression alors que Etienne nous rejoint? Pour l'instant, pas d'inversion de position hein, sur le mi-tour des courses. On entame le deuxième. L'Hongrois qui est parti finalement cinquième de sa grille. Il est déjà à l'attaque de Chambaz. On l'avait vu en essai, tu l'avais fait remarquer. L'Hongrois se débrouille très bien. Pourquoi pas être mieux finalement en rythme de course qu'en rythme d'essai? C'est possible. Bah, c'est possible parce que peut-être que le stress lui fait pousser des ailes en fait, tout simplement. Oh, attention! La sortie du pilote de la TX3! Oh, l'énorme travers de Mr. Deuze! Ouh, c'est tendu et ça passe pour le Hongrois, on vient de le dire justement, voilà. Là, c'est une faute de Mr. Deuze, mais opportuniste. On a su s'infiltrer, faut pas trembler là au moment d'y aller. C'est clair. En tout cas, c'est passé. Chambaz, du coup, qui récupère le podium. Attention, Mr. Deuze, hein, qui a perdu deux positions dans l'histoire. Attention, Adèle, qui est très proche pour la Honey. Pourquoi pas une bataille Honey BFR à l'image. Toujours ce pare-choc assez atypique hein, du pilote de la BFR. Ouais. Très sympa. Façon vibreur, voilà. Il manque les warnings et tout. Ouais. Oh, attention devant, l'Hongrois toujours sur Chambaz de la PRST. Va-t-on tenir le podium côté PRST? En tout cas, le Hongrois, il est au contact pour le podium. Attention devant, parce que finalement, l'Allemand ne s'envole pas, hein, Etienne. Non, non, après, bon, c'est un petit circuit encore. Donc, Ouais. Il y a, enfin... Ouais, mais on pensait pourquoi pas avoir déjà une seconde d'avance, et pour l'instant l'Allemand ne s'envole pas. Ouais, mais t'as vu le concurrent qui est derrière aussi. TX3, bon bah. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est un ouais. Gros concurrent. Hein. C'est sûr. Ouais, mais on ne connaît pas non plus le niveau l'IGTSH. En tout cas, moi je ne connais pas. Non, non. Dites-nous sur le chat, c'est vrai que c'est peut-être l'occasion de les découvrir. En tout cas, on suit ces images de Ploto, Chambaz, toujours 3ème. Devant l'Hongrois, Mr. Deuze, Adèle, l'autre pilote hongrois de l'IGTSH. Oui, messieurs, c'est pas facile à dire. Mais voilà, pour l'instant, ça se passe bien. Oh, attention, attention, Adèle, trajectoire assez hasardeuse, du moins différente du pilote hongrois. Pour l'instant, pas d'attaque. Jimmy, la PRST, en 8ème position devant les deux pilotes de la Belgian Speed Racing, Dark Rider et Godot, le pilote indépendant, Tipol Walk 08. Pilote de la RSR, admission en 12ème position, Haro de la BSR 13ème, et donc Spoon de la RSR qui ferme la marche. On rebascule sur les images de peloton. Là on est proche hein, Etienne. On va pouvoir, selon toi, porter une attaque peut-être au bout de la ligne droite là-bas. L'aspiration c'est possible. Ouais, je pense, bah ouais, il y a moyen.
tout dépend le virage là. Oh, et puis en plus il est mieux. Ouais, ça semble mieux là pour le pilote belge. Attention. Voilà, la ligne droite n'est pas très longue. Pas assez long. Alors pourquoi pas lui mettre la pression, hein, comme tu le disais tout à l'heure. Oh, ça glisse énormément. Regardez comme ça joue là pour l'allemand. Piodolatex 3 qui tient un petit peu mieux les cordes, j'ai l'impression. Mais voilà, pas d'attaque. Attention derrière, ça s'est resserré. C'est Chambaz qui commence à faire un petit peu le bouchon pour la team PRS. Et ça permet aux deux leaders, ça aussi, de s'envoler. Ouh, attention, ici c'est très tendu là. Oh, non. Alors pour l'instant ça se passe bien. Et pour l'instant c'est une course propre hein, qu'on voit. Ça met au crédit de tous les pilotes. Un petit peu ce qui nous a un petit peu manqué sur la course 1. Mais pour l'instant c'est une très très belle course qu'on a à l'image. Un petit peu le jour et la nuit entre la manche 1 et 2. Oh, attention là le pilote PRST qui est de plus en plus sous pression. C'est pas facile hein, quand on a un pilote bah, qu'on ne connaît pas, donc le Hongrois, et on sait Mister Dose de la BFR qui représente une très très belle équipe. Là, pour le pilote PRST, c'est compliqué hein, de tenir... Enfin, il faut pas craquer, quoi. Ouais, mais d'un côté, est-ce qu'il fait pas bouchon là ? Ah bah, quand on voit la différence de niveau, enfin déjà la différence de temps entre les... Ah clairement il retarde le peloton. Oh là attention pourquoi pas l'attaque là du pilote hongrois. On est côte à côte, non, petit effet de caméra. Voilà, mais pour l'instant c'est aussi tout à l'honneur de Chambaz hein, qui veut garder ce podium. Ah oui mais c'est normal. Ah oui bien sûr. En tout cas ça, attention hein, parce que c'est de plus en plus compliqué pour Chambaz. Ça remonte fort derrière Mister Dose. Et également au contact. Allez, est-ce que l'Hongrois va plonger ici? On va tenter l'intérieur pour la numéro 86 et ça passe. Et regardez Mister Dose qui va même pouvoir s'infiltrer sur le pilote PRST, mais qui lui-même profitera d'une meilleure sortie. Oh, c'est une très très belle bataille là qu'on voit en piste. Et oui, comme nous dit Phil, c'est propre, mais attention, karma du présentateur. Attention ici, Chambaz qui essaye de résister comme il peut. Oh, ça sort large même pour le pilote de la PRST. Est-ce qu'on va retenter Etienne au virage 1? Et il gère. Ouais, voilà. On a perdu une position, mais on sauve les meubles, hein, côté PRST. On sauve les meubles. Ça aurait pu être pire. Même l'Hongrois parti 5ème, 3ème. Ouais, mais là, attention, l'énorme travers du pilote hongrois, justement. Oh, regardez le pilote de la PRST, c'est ça, filtre à l'intérieur. Non, regardez, ça ne passera pas. Et Adèle qui essaie d'en profiter derrière. Là pour les pilotes qui sont derrière, qu'est-ce qu'il faut faire selon toi Etienne? Attendre que ça se cartonne, essayer de profiter, peut-être s'armer de patience là pour les pilotes qui sont derrière. Bah après chacun a sa politique, mais bon, moi je... Enfin je suis pas trop agressif, du coup je reste un peu derrière, mais chacun... Enfin chacun... Après s'il y a opportunité, faut y aller. Oui. Non. Bah ça dépend du niveau que t'as quoi. Si t'as vraiment confiance en toi et ta voiture, bon bah t'y vas. Si t'es pas trop confiant, je me vois assuré derrière. Quoi. C'est vrai. En tout cas, pour l'instant, on est au contact. Alors, on rebascule entre les deux premiers qui se suivent toujours à 4 dixièmes entre les leaders de course. Et maintenant, regardez l'Hongrois qui a dépassé le pilote de la PRST. Par contre, l'Hongrois ne s'échappe pas non plus. Quoi. N'arrive pas à mettre un écart avec Chambaz. Non, c'est vrai. Donc, peut-être que Chambaz ne faisait peut-être pas tant bouchon qu'on le disait. On va voir s'il rattrape. Oh, le contact entre Adèle et l'autre pilote hongrois, malheureusement. Premier accrochage de cette course. Attention à la reprise des voitures, à la sortie du mode transparent à pas. Ça tourne en carnage et ça passe. C'est Jimmy de la PRST qui en tire le meilleur dans cet incident. Deux positions de gagnées pour Jimmy. Il était 8ème avant cet incident. Et du coup, voilà, on a un paquet de 3 qui s'est détaché, Etienne, et derrière, ils sont 4. Ah, puis là, non, il perd encore du temps. Sur le TX3. Ah et bah devant ça, ils sont sur un autre. Ça carbure. Bah, ouais. On va regarder hein, les temps autour. Pour l'instant le meilleur temps autour pour TX3 FedEx. Alors qu'on est dans le dernier tour. Hein. Déjà le dernier tour après il y a une deuxième course à suivre. Mais nous sommes dans le dernier tour. Est-ce que ça te paraît pas un peu
petit comme circuit pour 9 tours. C'est court, c'est court, c'est le format. Si tu pars dernier, là tu peux pas arriver premier. Ah bah, moi, Pépin, tu peux gagner une position maintenant de là finir premier. Like, ça semble compliqué, mais c'est pas le but non plus. Bah non, mais en gros, si tu ploupes au qualif, t'es mort. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est ce qu'on appelle des qualifications. Alors, restez avec nous, hein, messieurs, on est dans le dernier tour. Pourquoi pas tenter une attaque? Je pense que ça va être loin pour le pilote belge. On suit derrière si les écarts sont un peu plus resserrés. Oui, on a cette bataille à 3, mais on suit ce dernier virage. Est-ce que l'Allemand va craquer ou va-t-il aller s'imposer dans cette première course du soir? Mozzi de l'IGT Assech qui devrait aller s'imposer à l'issue de ces 9 tours. Et victoire de l'Allemand derrière. Comment ça se passe? Oh, attention! Oh, l'arrivée très tendue entre les trois pilotes et Chambaz, donc qui garde. Oh, derrière, c'est sorti pour un pilote de la Honnès et Adèle. Regardez, Godot sur la ligne! Et non, juste derrière, la ligne était bien avant. Elle est tendue, hein, le travers d'Adèle, le dernier virage. Bah, il aurait pu tout perdre. Ouais, effectivement. Alors, Aro de la BSR, pour l'instant 13ème, donc qui validera hein, cette 13ème position avec 24 secondes de Spoon de la RSR. Il y a eu un contact. Parce que quand tu vois le pare-choc de Spoon. Ouais, ça a dû frotter un petit peu, effectivement. En tout cas, fin de cette première course. Et donc, victoire de l'Allemand devant le Belge. Et aucun Français sur le podium. Hein. Aucun Français sur le podium. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé cette première course un peu, Étienne? Ton premier commentaire de course. C'est pas... Non, mais c'est sympa. Je sais pas moi, j'aime bien. Ah ouais, ouais, non. N'hésitez pas à nous dire aussi comment vous trouvez notre ami Étienne Trifflerpé, le Hongrois, d'avoir rendu la position, nous dit François. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas souligné, mais c'est vrai que voilà, il y a eu un rendu de position défectué. Alors qu'on va revenir sur le plateau général de la VDA TV. Belle course pour un si petit circuit. Les pilotes ont été plutôt propres. C'est vrai que un incident à déplorer. Hein, bon. Non, puis c'était plus un incident de course. Là, c'était pas. Enfin. Ouais. C'était pas une question de fair play ou de propreté à la fin. Oui, c'est pas de l'agressivité. Non, du tout. C'est vrai que ça relève plus de l'incident. Voilà, j'en profite également pour dire que la première manche avait été assez décriée, hein, faut bien l'avouer, par rapport au fair play en piste. Et bah, ça fait plaisir que voilà, sur cette deuxième manche, bah, ça se passe beaucoup mieux. C'est un petit peu le jour et la nuit. Donc bah, voilà, je tiens à féliciter aussi tout le monde ainsi que l'organisation pour ça parce que tout le monde annonçait un championnat mort, voilà, ils ont été un petit peu taillés. Bon, nous on a voulu continuer à les soutenir et pour l'instant voilà, ça nous donne raison, donc un grand bravo à eux aussi. Allez, la course 2. Alors, on nous annonce 13 minutes de pause. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a le départ lancé qui y fait aussi. Nice qui me dit il commence à être à l'aise, qu'il continue. Ouais, c'est parfait. Alors, la poule B, ouais. Concernant la poule B, ça devait être sur la BSR TV. Mais attention, chez BSR, il y a deux chaînes. Enfin, il y a El Loco et puis il y a Belgian Spirit Racing Official TV, il me semble. Donc. Voilà, essayez de retrouver, j'ai pas le lien là avec moi. Ça me stresse que le pupitre ne soit pas droit. Et oui, mais malheureusement, voilà, on ne peut pas lui mettre. On est limité hein, par moment. Même si Streamlabs voilà, offre quand même pas mal de trucs. Hein. C'est vrai que. Ouais. Bon, on va profiter de cette pause pour revenir un petit peu là-dessus. C'est vrai que toi, t'as toujours aimé le stream, c'est quoi? C'est échanger avec les autres, c'est sur une commu ou juste voilà, je stream pour streamer, ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Bah à la base c'était ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis, mais au bout d'un moment bah, tu te rends compte qu'il y a des gens qui viennent parler avec toi sur le jeu auquel tu joues, qui te plaît, et du coup c'est un échange de passionnés, enfin, entre passionnés, et là bah, c'est là où je trouve ça génial quoi. C'est vrai. D'ailleurs, dites-nous hein, sur le chat. Voilà, c'est souvent une question que moi je me pose. Je n'ai jamais trop osé demander, mais est-ce que pour vous le côté diffusion d'un championnat est important? Et est-ce que pour vous
ça influent sur l'inscription ou non à un championnat, s'il est diffusé ou pas. On sait qu'il y en a qui, bah, voilà, ils ont le droit aussi, hein, qui la diffusion pour eux c'est obsolète, qui ne s'y intéressent pas. C'est leur droit. En tout cas, dites-nous un petit peu si voilà, le côté diffusion pour vous est important ou pas du tout. Voilà. N'hésitez pas à argumenter. Pendant cette petite pause, bah, on va revenir un petit peu sur Allgamer, hein, sur son actualité. Donc on rappelle, hein, pour tous ceux qui arrivent, donc Allgamer, notre partenaire au sein de la chaîne, donc qui effectue des streams sur différents jeux, notamment du MMORPG, et on peut l'annoncer aussi pour voilà, on aime, on n'aime pas, on n'est pas du tout dans le sim racing là, mais World of Warcraft a sorti de nouveaux serveurs classiques, donc c'est la toute première version nouveau, c'était il y15 a ans. 15 ans. Ouais. J'y ai joué quand j'ai été jeune, je pense qu'on a tous essayé au moins WoW, je pense, enfin du moins essayé ou entendu parler. Donc c'est quoi le but pour toi? C'est arriver level 60 plus rapidement, prendre son temps, redécouvrir le Non, non, jeu? non. J'ai plus le temps d'être enfin de vouloir faire des world first ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment jouer à la cool et découvrir comment c'était à l'époque. Parce que moi j'avais commencé à l'époque de BC, donc Burning Crusade. Donc c'était la deuxième extension. En plus j'ai commencé à la fin, donc c'était il y a 10 ans ou peut-être un peu plus de 10 ans. Mais du coup le tout début avec une difficulté très très hard, Ouais. j'avais jamais connu quoi. Puis il n'y avait pas tous ces outils qu'on avait, les add-ons. Non, 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 il n'y a pas tout ça. Puis ce qui existait à l'époque, c'était vraiment développé par de tout petits développeurs dans leur coin, c'était pas vraiment partagé. Du coup, là, on retourne aux sources, quoi. Tout cas, c'est vrai que voilà. Je sais pas s'il y a eu des joueurs de WoW sur le chat ou autre, hein. Il y a eu Guild Wars, il y a eu. Parce que, pff, plein d'autres, Star Wars, Ouais, il y a Star enfin Wars, dans hein. un autre registre, mais il y a Tezo également. Ouais. À Tezo, on l'a fait avec François. Ouais, on l'a fait avec François VDA. Et pas mal, mais super long. Ouais. Le Final Fantasy aussi, qui a sorti un MMORPG. Bon, alors là, faut aimer les cinématiques. Parce que on n'est jamais arrivé niveau max. Et je sais plus combien d'heures on avait de jeu, mais c'était énorme. D'accord. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous dire, hein, si vous aussi vous aimez d'autres jeux que le sim racing. Voilà, le live est un petit peu spécial, hein, compte tenu de la présence de notre ami. Pour en revenir un petit peu à ce qui est le thème, hein, quand même, de la soirée, donc Gran Turismo, on nous dit sur le chat. Alors voilà, il y a plusieurs avis. Donc on a Mister Nice qui nous dit bien sûr Toon. Je préfère, voilà, donc il revient à ça, que ce soit diffusé. Mais après, il n'est pas objectif vu qu'il live, c'est sûr. Le principal, c'est l'échange, en effet, comme nous dit Phil. C'est aussi comme ça que je vois les choses, Étienne. C'est vrai que voilà, Phil est un petit peu aussi dans ce registre-là. D'ailleurs, Phil qui sort, enfin, on met sur la chaîne, hein, une mini-série. Phil qui nous fera découvrir les simulations PC sur différents jeux avec son ton à lui. C'est sa façon de faire, donc n'hésitez pas à regarder, hein, le premier épisode est sorti sur la chaîne Dynamics. Ça existe encore, des championnats non diffusés. Oui, parce que on est. Voilà, même s'il y a de plus en plus de diffuseurs, c'est vrai que ça reste quand même assez rare. Après, pour moi, un championnat non diffusé, je trouve ça. Enfin, il n'y a aucun intérêt pour. Il y a le plaisir de le participer tout de même. Oui, Après. mais ça fait aucune vue sur la team ou sur Ah, l'organisateur. c'est sûr que niveau Donc. visibilité, voilà, c'est forcément, ça prend un coup. Mais c'est important qu'on ait ce débat. Ouais. Mais je pense qu'un directeur de team préfère largement que ses pilotes aillent sur quelque chose de diffusé que non. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Suis-moi, il n'y avait pas Chuck Norris pour en faire la pub à l'époque de WoW. C'est important, tu vois l'organisation et le sérieux, le professionnalisme et la communauté des pilotes qui regardent le live, donc l'intérêt que cela amène, nous dit Florian. C'est vrai, exactement. Et salut à Damien Tambouret. Qui nous rejoint sur le chat. Manolo ne diffuse pas ce soir, les prochaines, ça. Donc voilà, la poule B donc, ne devrait pas être diffusée ce soir, malheureusement. Et ben, ils auraient dû nous dire, les amis de la RSR, là. Moi, j'ai pas été prévenu parce qu'on aurait pu vous proposer un multiplex.
Et oui, malheureusement. Oui. Ah, c'est là aussi qu'on. Enfin, bon, là, c'est peut-être pas de chance, parce que Manolo a pris. Après, ça m'arrange. Au dernier moment. Mais voilà, la communication entre les différents directeurs de team et diffuseurs, c'est primordial hein, dans ce cas-ci. Bah, comme partout. Ouais. Effectivement. Ok, pas de soucis. Mais quelqu'un cherchait là, il dit Dynamics. Ouais, non, donc la poule B ne serait pas diffusée ce soir. Bah, c'est dommage, on aurait pu vous proposer un multiplex. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire hein, si vous aimez le multiplex. Bon, faudrait voir un peu si on pourrait faire quelque chose à deux sur du multiplex. Ce serait. Bah, c'est clair que ce serait beaucoup plus confortable pour toi comme pour le consultant qui est. Bien sûr. Et bah, surtout pour les viewers aussi. Enfin, on rappelle un petit peu voilà, le contexte d'un multiplex sur la VDA TV. Il faut savoir que les deux écrans sont pilotés ici. Donc moi j'ai deux manettes. Quoi. Il faut que je gère. Deux courses. Enfin, j'utilise vraiment les deux modes spectateurs sur deux télés différentes en même temps pour vous faire passer les images. Donc, bon, on le sait déjà, forcément, diffuser une course, voilà, c'est pas forcément facile. Quand il faut en faire deux en même temps, ça devient très compliqué. Hein. Le moindre petit grain de sable, bah, ça fait dérailler toute la machine. C'est vrai que voilà, le fait d'avoir quelqu'un à côté qui s'occuperait de l'autre salon, ça serait peut-être mieux. Ouais. Mais avec un plus haut niveau, je pense, de commentary. Ouais. Parce bah que après, là, il faut voilà, vraiment réagir à chaud. Et... Ouais. Après, ça vient avec le temps, hein, messieurs. Dynamics dit, moi, je suis pas fan des multi, mais bon, chacun ses goûts. Ouais, c'est vrai. Bah voilà. On a eu vraiment les deux retours. Il y en a que, enfin, avec une majorité quand même où les gens apprécient, d'autres qui aiment moins. C'est vrai que voilà, faut pas se cacher. Hein, on peut quand même moins suivre une course que si on avait le plein écran. Forcément, même si on essaye de passer en plein écran dans les deux poules. Voilà, ça. Reste... Bah, par contre, pour l'endurance, c'est vrai que c'est bien parce que ouais. On sait que l'endurance, voilà, il y a des temps morts et le fait d'avoir deux courses, ben, il y a toujours l'action à l'image. Mais après, même pour les championnats, c'est quand même pas mal parce que, enfin, je suis objectif parce que c'est pas moi qui ai créé la chose, mais au moins tu vois l'ensemble du championnat. Alors que ouais. S'il n'y avait pas de multiplex et qu'il y avait deux salons, bah, c'est toujours le salon A qui serait diffusé. Le salon B, bah. Sur une autre chaîne. Ouais, enfin, sur une autre chaîne, mais ouais. Ça serait compliqué. Il faut trouver un diffuseur qui accepte le salon B constamment. Effectivement. Enfin... salut à Nathan qui nous rejoint. Bienvenue à toi sur l'antenne de la VDA TV. La course 2 qui devrait lancer dans quelques instants. Hein. On patiente toujours comme vous, messieurs. En tout cas, on partira donc pour 20 tours. Effectivement, pour l'endurance, je suis pour, surtout sur GTS où tu es limité à 14 ou 15 participants. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai que ça aussi, c'est. Enfin, nous, parce qu'Etienne fait aussi. Il n'est pas que partenaire, hein, il est aussi admin de la VDA et gère aussi un petit peu la VDA avec nous. C'est vrai que, bah, voilà, on le sait, nous faisons l'endurance depuis maintenant quasiment un an. Je pense qu'on était quasiment les premiers à le faire, hein, ou presque, sur des durées comme nous le faisons. Et c'est vrai que bah, on s'est toujours plaint un petit peu de ça, nous en interne, hein, d'être limité à 15 voitures. Quoi. C'est vrai que... ouais. Après, bon, déjà sur 14 voitures, il en reste 10. Ah, ouais. Sur 30 voitures, il va en rester combien? 20? C'est compliqué. Ouais, mais 20, c'est toujours mieux que 16, quoi, au final. Enfin, ou 10, quoi. Bah ouais, mais va dire ça aux 10 pilotes qui ont été déconnectés. Quoi. Eh, il a raison, il est objectif. Non, mais c'est vrai, il a raison. Et en effet, quand il y a un vide, on peut combler avec l'autre salon parfois. C'est intéressant, je trouve, lui, nous dit Phil. Ah, c'est vrai qu'un multiplex voilà, sur des courses sprint, moins d'une demi-heure, c'est très compliqué à mettre en place parce que ça va trop vite. Par exemple, voilà, vous avez une course A à gauche de votre écran d'une demi-heure. En une demi-heure, ça ne s'étire pas non plus tellement. Et donc là, ça devient compliqué. Il faut vraiment que ce soit sur des courses longues et pas sur du format ultra sprint. Quoi. Je pense que c'est à peu près ça que je vois comme ça. Enfin, que je vois les choses. Il faut 50 voitures, c'est mieux ça. Ouais. Peut-être vite la boucherie. Bah, pas vraiment, parce que rien de sur e-racing, c'est 50-55 voitures. Hein. Les serveurs sont pas les mêmes.
Ah bah non. Le prix n'est pas les mêmes. On profite hein, de cette pause pour débattre. Et si vous voulez parler d'un sujet, n'hésitez pas hein, sur le chat. On n'aura jamais des serveurs qui supportent autant de participants sur console. Ouais, c'est vrai. Alors maintenant, sur F1, quand même, on peut aligner 22 personnes dans le salon. Hein. 20 pilotes plus 2 spectateurs, me semble-t-il. Donc on, voilà, ça pourrait être augmenté un petit peu, peut-être. Mais... Après, F1 est peut-être moins beau graphiquement et demande moins de ressources à la console que Gran Turismo. Oui, je pense. Faut attendre la PS5, dit Mr. Nice. Oui, bah, on verra. On verra. On espère tous, Mr. Nice. Allez, la course 2 donc, qui devrait partir. Alors, on attend toujours le top départ à voir, mais je n'y crois pas, perso, nous dit Dynamique. Bon, toi, alors, All Gamer, il faut aussi revenir dans ce contexte. À la base, c'est toujours, mais le fond de ta chaîne, c'était les jeux rétro. Oui. Et donc, toi qui t'intéresses aux jeux rétro, donc tu en as ici pas mal, hein. T'as quelques anciennes antiquités, toujours en état de fonctionnement. Et donc toi qui es un vrai passionné, même si tu n'as pas forcément l'âge de toutes les consoles, mais tu as pu voir l'évolution aussi des consoles année après année, quoi. Ouais, bah par exemple, je vais prendre l'exemple de Gran Turismo. Aujourd'hui, essayer de relancer Gran Turismo 1, bah vous allez pleurer, quoi. Enfin. Bah bien sûr, graphiquement, c'est juste pas possible. Alors, oui, il y avait plus de voitures, il me semble. Il me semble qu'il y avait plus de voitures pour les courses. Après, il n'y avait pas du tout de ligne, enfin, c'était pas du tout un jeu en ligne. Et puis, bah, graphiquement, c'est juste pas beau, quoi. Ouais, bah, c'était. Jeux... Alors qu'à l'époque, on trouvait ça sublime. Ouais, c'était la limousine, quoi. Ah, bah, ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai que ça va changer. Pour toi, jusqu'où peut aller la console? On n'arrivera jamais à un niveau PC, hein, je ne pense pas. Enfin, quoi que les prochaines générations. Si, mais en fait non, c'est au bout d'un moment la console va disparaître. Ça va être clair et net. Parce que... Après pour les petits budgets peut-être Non. Ben non, parce que là la PS5, déjà les composants qu'ils vont mettre dedans, enfin, c'est beaucoup plus cher que la PS4, déjà de base. D'accord. Juste avec les composants. Donc à mon avis, enfin, on tend vers carrément supprimer une console. Enfin, carrément supprimer à terme, une console. Dans les... prochaines années, ça peut-être sera, plus de consoles de salon et des PC, enfin peut-être... Ça sera plutôt des PC, même des petits PC, mais avec des jeux en cloud, c'est-à-dire que... Alors, je te coupe, parce qu'on est reparti pour la finale, on nous a pas trop prévenu, mais on y reviendra à la fin de la retransmission. Mes priorités à la course, la finale est donc lancée. Alors... Allez, c'est donc parti. C'est donc Dark Rider qui partira en pole position devant l'Hongrois Jimmy de la PRST, Mister Dose 4ème, Chambaz, David Red, l'IGT ASH, je vais y arriver avant la fin de la soirée, Fechix de la TX3 et donc Mozi, le pilote allemand qui s'est imposé sur la course 1. Devant Adèle, Godot, Tipol Walk, Admission de la RSR, Arrow et Spoon de la RSR. Allez, ce départ. Et là, on risque d'avoir plus de batailles, hein, parce que l'ordre de départ a été modifié. On va suivre la remontée de l'Allemand. Il part pour l'instant en 8ème position. Allez, très bon envol du pilote français devant l'Hongrois. Et voilà. Débat PC console qui continue à s'animer sur le chat. Reste avec nous, on va en débattre après, c'est intéressant à lire. En tout cas, on suit cette course. Le français qui s'envole pour la Belgian Speed Racing. Attention, l'Hongrois hein, qui reste au contact. Jimmy de la PRST pour l'instant 3ème de cette course de 24 tours hein, dans cette course. Mister Dose de la BFR avec son pare-choc personnalisé et qui va déjà s'attaquer à Jimmy de la PRST par l'intérieur. Ça va pas passer. Et c'est pas loin. Et regardez devant également l'Hongrois. Est-ce qu'il va tenter, Etienne, pour toi? Est-ce que ça va passer? Il pourrait.
Si des croises, des croises. On va insister, il va insister, attention virage 1. Ah, derrière, ça s'attaque également entre Jimmy et Mr. Dawes. Attention, la réponse du pilote de la BSR, non. Attention, Jimmy menacé par Mr. Dawes et Chambaz également qui recolle. L'autre hongrois également. Et regardez cette bataille, Fechix, Mozzi, de retour à l'image. Mais cette fois, ils sont plus bas dans le peloton. Le pilote allemand qui choisit une trajectoire un petit peu plus extérieure pour repiquer à l'intérieur au point de corde. Oh, attention, là, ce virage, il est très très chaud. Et ça passe pour le pilote de la TX3 qui garde sa position. Et l'Hongrois déjà devant une seconde d'avance, hein, on l'a vu. Jimmy Lapérez c'est toujours troisième. Et regardez, ça ne s'arrête pas entre Mozzi et Fechix. On l'a vu en première course, hein, c'était la bataille qui nous a animés. Ça semble être encore le cas ici. Par contre là, ils tiennent au cœur du peloton, ça va être plus compliqué. Ils vont remonter. Ouais. Ils vont remonter. Et par contre, j'ai rien compris comment ils sont. Ah, je sais pas trop comment ils ont été rangés. Parce que normalement, c'était top 5 inversé, je crois. Mais... Alors. Une seconde 3 d'avance pour le pilote hongrois, toujours Dark Rider de la BSR et Mr. Dawes qui va essayer de s'infiltrer sur Jimmy Lapérez, mais attention derrière, il y a David Red aussi qui n'en demande pas tant. Chambaz également n'est pas loin, allez, top 9 inversé. Attention, ça va s'attaquer ici. Mais non, ça... passe pour l'instant, ouais, c'est de nouveau propre hein, ces actions en piste. Attention, Dark Rider qui semble voilà, faire un petit peu le bouchon. Regardez, ça profite au pilote hongrois devant. Allez, Mr. Dawes qui tente sur Jimmy, ça ne passera pas. Et l'hongrois, par contre, lui va tenter sur le côté intérieur et ça devrait passer pour la numéro 86. Attention au freinage du premier virage. Oh, le plongeon du pilote hongrois sur le pilote de la PRST. Ouais, ça a dû se toucher, mais Jimmy qui a laissé ouvert aussi, hein, côté intérieur, et l'hongrois, lui, s'est pas posé deux fois la question, il y est allé, en tout cas, c'est passé, malgré un petit contact, mais pas de dégâts pour les deux pilotes. Mr. Dawes, oh, regardez, Mr. Dawes encerclé par les voitures de la PRST, Chambaz qui va pouvoir l'attaquer à l'extérieur. Oula, Mr. Dawes de la BFR au cœur de l'action. Et devant, attention, l'hongrois qui s'attaque au pilote français et ça passe. Et pour l'instant, c'est deux hongrois en tête de cette course. Les deux pilotes de l'IGTSH. Ici, entre Fechix et Mozzi. Mozzi a repris l'avantage, il s'est imposé. Regardez, regardez le bouchon qui est en train de se former. C'est pas une stratégie de team ça. Parce que permettre aux autres BSR de recoller. Non, 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 non. Le deuxième hongrois qui fait un peu bouchon pour laisser le premier partir. Ouais, pour l'instant il les a doublés. On va voir si. Voilà. S'il s'envole. Oh, attention, Mr. Nice Mr. Dawes, pardon, je l'ai confondu. Nos amis de la BSR. Et c'est passé pour Mr. Dawes devant les deux voitures de la PRST. Attention, on a l'Allemand, le vainqueur de la course 1 derrière, et lui, on le sait, il va pas traîner. Là, il va déjà s'attaquer à Jimmy ici, par l'intérieur, que Jimmy va tenter de défendre. Ça se touche pas, mais c'est limité. Ah ouais, ouais, ouais. C'est tendu entre les deux pilotes. Le pilote allemand va insister sur l'intérieur et je pense qu'il ressortira avec l'avantage. Attention à Fechix derrière qui peut essayer d'en profiter lui aussi sur Jimmy. Ça serait deux positions perdues dans ce dernier secteur. Et non, pour l'instant. Oh, et on a plongé du côté de la TX3. Et c'est passé. Alors je pense que Jimmy voilà, a été prudent. Il a laissé ouvert. Il a bien vu que derrière ça allait y aller. Ça fait aussi partie d'une intelligence de course. Hein. Mais de toute façon, enfin. La TX3, il a pas trop le choix. Là, s'il veut. Ah, s'il veut rester au contact de l'Allemand, il doit absolument y aller un petit peu avec. Avec l'agressivité et sans être. Voilà, dans l'excès, mais. De façon couillue, comme on dit, sur la antenne de la BDAT. Allez, Mr. Dawes, pourquoi pas aller récupérer le podium devant Dark Rider
de la BSR. Pour l'instant, il est derrière. Et c'est Dark Rider qui a un petit peu le mal. Hein. On le voit depuis le début de cette course. Tout le monde qui s'attaque à lui un petit peu. Mais bon, pour l'instant, ça fait 6 tours que le podium tient pour le pilote de la BSR. Et toujours cette bataille entre le Belge et l'Allemand. Ouais, attention derrière, devant, Mister Dose par l'extérieur. Faut pas une meilleure trajectoire en sortie. Et non, ça va pas passer. Il va tenter de se porter à hauteur ici, mais voilà, ça va être très compliqué. En même temps, le circuit, voilà, va se faire piéger. Et oui, bien vu, nous dit Ayrton Barr. Adam Wolf de l'IGT à sèche qui se fait énormément remonter la part David Red. C'était peut-être ouais, pas ouais, la stratégie. Maintenant, à voir s'il y aura bataille interne. On sait peut-être qu'ils vont juste inverser les positions. On va regarder comment se comportent nos amis. Et derrière, toujours Mister Dose qui bute hein, sur le pilote de la BSR. Oui, comme nous dit Phil, en plus il n'y a pas beaucoup d'aspects sur circuit. Hein. C'est vrai que les lignes droites, enfin voilà, la seule grande ligne droite est finalement assez courte. Elle paraît grande sur la carte, mais elle est finalement assez courte. La voiture n'a pas le temps de partir. Ah, voilà, on n'a pas vraiment le temps de se faire aspirer. Allez, Adam qui continue de se faire remonter par David Red. J'ai l'impression qu'il se fait remonter par tout le monde, hein, clairement. Peut-être qu'on joue une carte économie hein, au niveau de la consommation. On sait qu'on a cette possibilité là de changer de cartographie moteur pour essayer d'économiser. Et salut à Thunder de la BFR, bienvenue à toi. Tu nous rejoins, voilà. Je te présente Étienne, notre partenaire Allgamer, qui nous fait le plaisir de co-commenter cette course avec moi. Vous moquez ça, mais qui s'en sort très bien. Bah pas sur la course. Sur la qualif, j'étais plus à l'aise. Ah, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Voilà. Ça me tenait vraiment à cœur d'avoir avec moi. Au moins une fois, si, pour tenter l'expérience. Voilà, si, ouais, ça me dérange pas. À retenter, mais. Souvent tout. Oh, attention derrière, j'ai vu que c'était très chaud entre les trois pilotes. Attention, regardez l'Allemand qui va tenter ici. Oh, il va tenter le tout pour le tout sur le pilote de la TX3. Il y a Jimmy également qui est. Par là, oh les trois voitures, là ça commence à se chauffer. Jimmy la PRST qui est obligé de lâcher. Ouf. En tout cas, très très belle bataille. Attention, Jimmy la PRST par l'extérieur. Sur la numéro 8 qui va pas pouvoir s'infiltrer. Énorme bataille là qu'on voit Étienne en piste entre ces trois voitures. Ah, on voit une différence de niveau là. Enfin, pour tenir autant de temps en bataille, je sais pas. Ouais, bah. C'est pas des bronques. C'est pas des bronques. Sans se planter. Allez, toujours cette bataille à 3. On va remonter sur la tête de course. Et regardez Adam qui se fait déjà recoller. Mais attention, Adam a un petit peu plus de carburant que ses adversaires. Pourquoi pas jouer la carte économie hein, pour Adam. Et ouais, Mister 12 qui est passé sur le pilote de la BSR. On a un petit peu loupé ça. Mille excuses. Ah, tu sais, nice, c'est pas évident de toujours être sur la bonne image. Mais voilà. Allez, ce premier virage, Mister Dose, pourquoi pas aller chercher le premier Hongrois et pourquoi pas aller s'imposer pour la BFR, la numéro 46 là. Il est bien, Mister Dose, hein, il remonte depuis tout à l'heure. Par contre, il n'est pas du tout à l'économie. On peut voir son carburant. Ça fait voir le premier et le deuxième là. Ah ouais. Ouais, Mister Dose est le pilote qui a le moins de carburant dans le top 5. Voilà un petit peu pour la petite info. La numéro 46 à l'attaque de David Red. Et derrière, on le voit dans les rétros, hein, ça se montre également. Ça va pas tenter pour le pilote de la BFR. Et derrière, toujours cette bataille entre l'Allemand, le Belge et Jimmy de la PRST. Derrière, qui est un petit peu décroché, mais voilà, ils se battent tellement devant que Jimmy arrive à rester au contact.
Et Marie-Jeanne Brûlé qui nous dit, allez Jimmy, faut être moi, fair play, fais comme eux. Oh, je pense pas que ce soit du non fair play, voilà, c'est de la bataille musclée, coriace, mais ça reste dans les règles de l'art. Qu'est-ce que t'en penses toi, Étienne? Ouais, bah ouais, c'est musclé. Mais par contre, attends, je reviens à Mister Dose. Là, il va devoir faire deux arrêts. Potentiellement. Arc le premier hongrois. Ouais, non, on arrive à mi-course. Non, sans doute un arrêt. À surveiller. On arrive à mi-course, hein, on va rentrer dans le 12e tour et regardez le pilote de la TX3 qui prend l'intérieur ici, mais attention, on va se faire des croisés en sortie. Et si ça va être fait, oh, l'énorme bataille sur les antennes de la VDA TV. Oh, ces deux-ci, ils ne se lâchent pas depuis deux courses, hein, parce que déjà sur la première course c'était déjà le cas. Et voilà, Mister Dozo stand pour la BFR. Là également Dark Rider. Alors, est-ce que c'est rentré pour nos trois pilotes ici? Non. On reste en piste. Ramucho qui nous dit, ouais, c'est pas, il ferait mieux d'arrêter de se battre, fléchir excellemment pour remonter, se battre sur la fin, mauvaise stratégie. Qu'est-ce que t'en penses toi, Etienne, un petit peu? Est-ce que voilà, on ferait pas mieux de se suivre et de remonter sur la tête de course plutôt que de se battre à la 5ème position? Bah, là ils ont rien à perdre. Bah, à part se planter. À part les premières places, quoi, s'ils continuent à se battre comme ça, parce qu'ils ne remontent pas sur la tête de course. Hein. Enfin, très peu, du moins. Donc pour les potentielles victoires, voilà, se battre comme ça, ouais, forcément, on perd du temps. On va voir, pour l'instant, voilà, si on prend l'allemand, il a 4 secondes de la tête de course. C'est le leader au stand, et les deux leaders au stand, les deux pilotes ont gros au stand, Chambaz également qui plonge, et tout le monde qui plonge dans la voie des stands, à mi-course, donc un arrêt pour tout le monde. Où est Mister Doze? Il est assez loin finalement, il est retombé derrière Dark Rider de la BSR, donc il va falloir refaire tout le travail de dépassement, et on le sait, ça prend du temps. Alors, les leaders sont toujours au stand. Les arrêts sont longs, hein. Où est Mister Doze? Où est Mister Doze? Il est pour l'instant 3ème, pourquoi ma caméra ne veut pas me le mettre? Alors, la sortie des stands, Fischix qui ressort derrière, devant l'allemand, qui a pris du temps lui au stand. Mister Doze pour l'instant, donc 5ème. Et là, énorme paquet. Oh, Mister Doze qui tente ici sur l'intérieur du vibreur. Ou est-ce qu'on n'a pas coupé? Peut-être une pénalité pour le pilote de la BFR. Attention à la réponse de l'hongrois. Et là, il va y avoir de très très belles images. Oh, le pilote de la BFR à la limite. Oh, t'y manquais Jimmy, là. Jimmy Lapé est resté juste derrière. Ouais. Il y a une seconde là, c'est lui qu'on voit ici à l'image. Énorme image, bataille en groupe, la bataille au cœur du peloton. C'est Dark Rider là de nouveau qui fait bouchon, fait chix pour une fois. A réussi à intercaler une voiture entre lui, même deux voitures, hein, entre lui et l'allemand. C'est Mister Doge et Chambaz. On va essayer de s'échapper pour le pilote belge. Et l'allemand qui s'est montré sur la voiture de Chambaz, mais qui cette fois n'y est pas allé. Là on a cette voiture qui se suivent. Très très chaud cette fin de course, on rebascule devant, Adel ne s'est pas arrêté, Tipol Walk non plus, Adam qui a passé 3 secondes d'avance sur David, aurait-il eu une erreur du pilote hongrois? Oui visiblement, en tout cas on a pris beaucoup de temps, stand. Et non, malheureusement la Corvette C7 Cup est complète, 42 inscrits en moins de 24 heures, ça a été vraiment pris d'assaut messieurs. On va y revenir à la fin de cette course. Il y a également beaucoup d'équipes représentées au sein de cette Corvette C7. Et toujours cette bataille. Ils sont 7 hein, pour la 3ème position. Là, c'est difficile de dire qui va récupérer le podium à la fin parce que tout le monde a sa chance, Aiken. Qu'est-ce que t'en penses? Sauf, attends, les deux premiers se sont arrêtés, non? Les deux premiers sont arrêtés, là c'est le classement est dans l'ordre. Et salut à JB Sub30 de la Team Yellow Family.
Bienvenue à toi sur l'antenne de la VDA TV. Oh, Fichix là. J'ai cru qu'il allait y aller un petit peu. Ouais, regardez l'Allemand qui va tenter ce Mister Dose à l'intérieur. Attention, va partir au contact entre les deux pilotes. Oh, l'Allemand qui s'infiltre sur Mister Dose de la BFR. C'est bien fait. Attention, Paul Poussé hors de la piste, la numéro 8 contre la numéro 46. C'était très très chaud là, Etienne. C'était peut-être un peu trop couillu. Ouais, je sais pas, moi j'ai bien aimé, c'est quand même... Voilà, il a posé les cours. Voilà, il les a posés, on va dire, l'Allemand. En tout cas, c'est passé, sur le pilote de la BFR. Mais attention, Mister Dose, qui n'en a pas dit son dernier mot, faut pas laisser de porte ouverte ici. Regardez l'Allemand qui va bien protéger l'intérieur. En tout cas, pour l'instant, Adam, 3 secondes d'avance, hein, qui semble... s'envoler vers la victoire. Derrière, ça se suit toujours ce train qui s'étire pas. Alors, c'est aussi l'occasion hein, d'admirer les livrées. Ouais, tu sais, si t'avais une livrée un petit peu à sortir du lot. Ah, bah là. Bah, le TX3, bah, déjà rien pour leur partenaire. Mais non, sinon BFR. Ouais, BFR. Bah, BFR Mister Dose. Hein, que... ah, moi j'aime, ça, beaucoup ça, les... ça. J'aime beaucoup les voitures PRST. Ouais. J'aime beaucoup, j'aime assez ce bleu et orange. Ah, c'est bon. Allez, on suit ce 17ème tour de course. Pour l'instant, pas d'attaque. Attention, et regardez l'Allemand qui est déchaîné plus que jamais. Ah, il devrait en faire qu'une bouchée hein, de Dark Rider de la BSR. Un petit peu en difficulté. Alors on va tout le temps. Ok, non, on va se contenter de suivre, pourquoi pas essayer là au bout. On a vu beaucoup de dépassements ici, hein, Etienne, dans ce droite. Ouais. C'est souvent là où ça s'attaque. Hein, ouais. De toute façon. Ici au premier virage également, hein, pas mal d'attaques. Allez, pour l'instant, pas en mesure d'attaquer malgré voilà, une faible aspiration, hein, comme nous l'a dit Phil. Voilà. La ligne droite est quand même assez courte, hein, mine de rien. On surveille l'écart avec le leader, 3 secondes 2 d'avance toujours pour Adam. Donc ça devrait tenir. Hein. Oh, attention derrière. L'Allemand qui tente sur le pilote de la Belgian Speed Racing par l'intérieur. Ah, je te l'avais dit, tiens, au virage 1, on voit beaucoup d'attaques hein, depuis le début de course. Des croisements aussi. Ouais, trajectoire assez différente hein, entre tous les pilotes. Et pour l'instant, ça se suit. Mais l'Allemand a récupéré la quatrième position. Je pense que il y a Fichix devant qui est un petit peu. Ouh, c'est chaud là avec le pilote hongrois. Est-ce qu'on va tenter? Ça va pas passer la sortie un petit peu juste pour la voiture LDLC. Par exemple la livrée hongroise. Ah c'est vrai qu'elle est un peu nature. Un peu trop simple. Elle est un peu nature. Alors ça après c'est les goûts et les couleurs. Hein. Ça enlève pas leur talent. Ah non bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Allez le pilote de la TX3, pourquoi pas s'attaquer au virage. Ah et attention, regardez le. Messieurs, oh l'énorme défense de l'Hongrois sur l'intérieur et regardez l'Allemand derrière qui arrondit énormément sa trajectoire, il le sait devant, ça va se toucher, ça va se... Ouh, c'est très chaud là messieurs. Et le pilote de la TX3 qui récupère la deuxième position, mais attention regardez le pilote de la BSR également dans les rétros qui se montre. Ouh. Assez tendu là Etienne, on sent qu'on est dans la fin de course. On sent que les nerfs commencent à lâcher, ils commencent un peu à s'énerver. Mais bon. Ah, ça reste propre hein, pour l'instant. Ah, ça se pousse quand même pas mal. Hein. Ah, ça se pousse, il y a du contact, mais bon, ça reste tout de même voilà, acceptable, je trouve. Allez, le pilote de la TX3 du coup qui se décale pour essayer de donner le moins d'aspiration possible. Mais trop tard, le Hongrois, là déjà, ils sont côte à côte avant le dernier virage. Le pilote de la TX3 pour insister à l'intérieur, et non, l'Hongrois qui est repassé. Regardez l'Allemand. Énorme bataille là pour la deuxième position. Oh, on a vu bien pire, hein, Marie-Jeanne Brûlé, je trouve.
Oh non, ça passe! Oh, regardez, quelle image là! Entre ces trois voitures et l'Allemand qui récupère la deuxième position! Énorme coup là du pilote allemand! Ah, c'est bien fait là, il tient à deux positions là! C'est très bien fait! Hein. Mais ils se suivent toujours, hein, par contre. Ouais, derrière ça se suit. Je trouve qu'on a eu une très très belle bataille. On fait deux très belles courses là, ce soir. Un petit incident sur la manche 1. Et voilà, bien sûr que ça arrive un petit peu partout. Il y a toujours quelques incidents, bien sûr. Champ base de la team PRST. Ah bah sur Twitch. Je sais pas si tu les as vus là. Dis-nous. Natal Sim Racing qui nous dit. Salut à Thierry. Et Fred Védisser. Allez, Fred de la Védisser, donc team sur iRacing. Bienvenue à vous, messieurs. Alors que ça s'attaque dans le premier virage de Tsukuba. Et là, c'est le pilote de la BSR ainsi que le pilote de la BFR qui se tire un petit peu la bourre. Un grand merci à vous tous d'être présents sur les antennes de la VDA TV. Vous étiez encore très très nombreux là ce soir. Restez avec nous après la course. On va débattre un petit peu avant de clôturer ce live. Attention, le pilote hongrois là qui n'est plus aussi à l'aise qu'en début de course. Et 4 secondes 4 hein, pour Adam Wolf. On devrait logiquement, Étienne, s'envoler vers une victoire. Ah, à trois tours. À moins une sortie, hein, ça peut arriver. Mais bon, ça devrait le faire. À suivre, notamment cette bataille pour la deuxième position. Pour l'instant, c'est l'Allemand qui a l'avantage sur le Belge. Et attention, derrière, c'est toujours très tendu au cœur du peloton, notamment pour la quatrième position. Merci à toi, Marie-Jeanne Brunet, qui me dit super live. Par contre, un grand merci à toi. Allez, on est à deux tours de la fin. Est-ce que pour toi, le pilote de la Tech 3 peut aller chercher l'Allemand? Parce qu'on a vu tout à l'heure, il se bataille énormément. Là, il reste. Il va rester deux tours. 7 dixièmes, ça me paraît un peu beaucoup. Ça te paraît beaucoup? A voir. Alors que derrière, par contre, c'est beaucoup plus serré. Hein, entre tous les pilotes, Mister Dose toujours 6ème pour la BFR devant les deux voitures de la PRST, Chambaz et Jimmy. Derrière, malheureusement, voilà, je ne suis pas beaucoup montré derrière, mais je vais là vraiment où il y a de l'action. Donc Godot de la BSR en 9ème position, Adèle de la Honey en 10ème position, Tipol Walk en 11ème position, Haro de la BSR 12ème, attention, qui pourrait avoir une bataille avec admission de la RSR, et Spoon 14ème pour la RSR eSport, le comité organisateur de ce championnat. Alors, on suit cette potentielle bataille pour la deuxième position. Attention, le pilote de la TX3, tu l'as dit tout à l'heure, 7 dixièmes, 1 seconde 2 maintenant. Ouais. Il perd. Ça semble compliqué, ouais, effectivement. Oula, j'ai vu un pilote. Oh, c'est le pilote de la BSR qui s'est bien loupé là. Qui a laissé passer tout le peloton. Il est 8ème, on l'a vu sur l'arrière-plan. Il était un petit peu large. Oh, attention, la bataille entre Godot et Adèle de la Honey Competition. Il y a des dégâts pour Adèle, dégâts aéro avant. Et puis nouveau essence, il est temps qu'il arrive. Ah ouais, ça commence à être limite, effectivement. Ah, je pense que c'est le cas de tous. Hein. Oh, regardez Jimmy, les réservoirs sont quasiment secs pour Jimmy qui va tenter sur Chambaz, pourquoi pas. La bataille interne chez PRST. Et Jimmy qui va tenter sur Chambaz, énorme bataille entre les coéquipiers, on se fait pas de cadeaux visiblement. Pour le bonheur des spectateurs, c'est pas passé loin là encore. Alors on va rebasculer devant parce qu'on est dans le dernier tour. 3 secondes 7 d'avance pour le leader de course. Ouais. 1 seconde 7 d'avance maintenant. Pour la montre, tu avais bien raison. Hein. Enfin, tu avais bien vu. Le pilote de la TX3 qui n'arrive pas à remonter, qui se fait même attaquer par le pilote hongrois dans le dernier secteur de course. Attention messieurs, c'est l'arrivée au bout. Et pourquoi pas la photo finish. Le pilote de la TX3 qui va se décaler.
Ou alors qu'on suit l'arrivée, priorité au vainqueur, Adam qui vient s'imposer ici, Mozzi l'allemand en deuxième position, et regardez, entre ces deux voitures, l'énorme arrivée là sur la ligne, et c'est pilote de la TX3 qui s'empare du podium, attention les deux voitures de la PRST, séparées par 50 millièmes sur la ligne, très très belle course là aussi, des voitures bleues et orange, Godot de la BSR en 8ème position, Adèle Delahonnay qui va terminer 9ème et en panne de carburant. Malheureusement. Dark Rider donc en 10ème position. Admission de la RSR 11ème position. Tipple Walk 08 en 12ème position. Arrow de la BSR qui se fait avoir à la panne de carburant devant Spoon. Enfin derrière Spoon du coup. De la RSR. C'est vrai que tu l'avais fait remarquer tout à l'heure, les carburants étaient limites pour beaucoup de pilotes. Hein. Beaucoup de pilotes ont choisi de jouer un peu avec la limite. Certains se sont fait avoir. Après, ils ont raison. Mais certains se font avoir. Bon, regardez l'état des gommes. Ouais, l'état des gommes fait un peu peur. Hein. Ouais. En tout cas, victoire donc d'Adam de l'IGTSH doublé pour cette équipe qui serait donc l'indépendant GTS Hungary. Voilà un petit peu. Alors, on va rebasculer sur le plateau général de la VDA TV. Alors, on avait un petit peu lâché le chat, hein, parce que forcément, ça s'animait en piste. Donc voilà, vous avez continué à débattre sur PC console. On va y revenir avec Étienne. Ramucho qui dit je suis peut-être un peu parano, mais j'ai l'impression que depuis un moment, les pilotes étrangers sont quand même bien plus agressifs que les pilotes francophones. Tout en restant plutôt correct ici. Alors j'ai pas l'occasion de diffuser beaucoup de pilotes étrangers, donc je pourrais pas trop m'avancer là-dessus. Marie-Jeanne Brûlé hein, qui nous dit allez les amis, pouce bleu. On est 31, il en manque 8, donc n'hésitez pas à mettre vos pouces bleus sur la vidéo. Phil Moinet qui nous dit super course, ça serait cool de rouler ensemble. Nathan OM, tu veux m'ajouter, Paul Giovannon, super course, en tout cas. Voilà un petit peu pour les premiers retours. En tout cas, un grand merci à tous de nous avoir suivis, ça fait énormément plaisir. Merci à toi de nous avoir accompagnés, Étienne. Non, de rien, merci à vous. On va pas rendre l'antenne tout de suite, hein, on va pas avoir été trop méchant. Ah non. Il n'est jamais méchant. On va revenir un petit peu donc sur le débat qui faisait un petit peu, je sais pas si t'as pu lire... Si. Les messages sur le chat, est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus? Donc toi tu disais à l'avenir la console pour toi devrait s'éteindre. Voilà, en fait j'ai regardé un peu ce qu'a dit Philippe Moinet, il a totalement raison. En fait tout ce qui est matériel, il n'y aura plus rien chez vous, tout sera sur des grosses plateformes. C'est vers ça qu'on se dirige, on peut pas l'affirmer non plus, mais c'est si, la tendance. Si, parce que... il est persuadé, bah, il est têtu. Oui, parce qu'en fait, ça coûte beaucoup trop cher aujourd'hui. Et ça coûterait moins cher si on mettait tout ça ensemble et que nous, en fait, on avait juste des petits terminaux pour se connecter à ces grosses machines. Bien sûr. Et donc, on tend beaucoup vers ça et on le voit déjà à l'Xbox. L'Xbox, elle sert plus à rien. Hein. L'Xbox, on peut jouer à tous les jeux Xbox sur PC. L'Xbox ne sert plus à rien. La PS4... on a une bibliothèque PS4 sur PC qui est quand même pas mal. Par le. Je sais plus comment ça s'appelle, PlayStation Now, un truc comme ça. Ouais. Donc la PS4, pour l'instant. La PS5, c'est sûr qu'elle va sortir. Hein. Mais à mon avis, ça sera la dernière. Je pense. Eh ben, ça sera affaire à suivre. On reprend le chat, Mr. Nice. Super live encore, Toon. Bravo, Etienne, pour la première. Ça fait plaisir. C'est vrai que voilà, on rappelle, hein, Étienne c'était sa première, donc déjà en termes de, enfin, pas une grande connaissance en termes de jeux de voiture. Hein, c'est, non. Voilà. Donc c'est sa première là-dessus, et aussi ta première au commentary hein, sur les systèmes de la VDA TV. Comment s'est passé un peu cette soirée à mes côtés? Bah, un peu stressant au début, mais après bon. Enfin, je mets peut-être un peu de pression. Non, mais après, le chat et toi-même, vous mettez assez à l'aise, donc ça va. Et je reviens vers Franco GT, et ouais, t'as totalement raison avec le Shadow pour le PC. En fait, tu peux avoir un tout petit PC et te connecter à un Shadow. En fait, c'est à des très 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 gros PC. Et comme ça, t'as une très grosse puissance de calcul pour même du très gros jeu, même si t'as un tout petit PC chez toi.
Ouais. Très belle explication. Donc c'est exactement vers ça, c'est vers ça où on tend en fait. Alors, est-ce qu'on on ferait pas ce qu'on a dit tout à l'heure, voilà, pour clôturer un petit peu cette soirée un peu spéciale. Hein. Est-ce qu'on ferait pas un petit open salon, est-ce qu'on irait pas sur voir un peu ce que donne la pluie. Ouais. Hein, ça te dit? Ouais, bah ouais. Allez. On va prolonger un petit peu le plaisir. Messieurs, vous pouvez rejoindre le salon, ceux qui le souhaitent. Alors, je voyais des gens se plaindre du bruit de la pluie. Peut-être que du coup, on peut peut-être gérer le son de l'environnement. Oui, ça doit être sans doute possible, oui, effectivement. Ouais, mais avant ça servait à rien. Ah bah non, ouais. Ouais. Donc soit ils ont rajouté l'option, ou je sais pas. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, le PSN c'est Dragou56, bon, je vous permets de donner ton PSN. On va mettre voilà, ce paramètre-ci. PRC, ça vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très vite. Merci pour le live. Continuez comme ça. Et ben, merci à toi, Sodja, oui, pour ces retours. Un grand merci à toi. Alors, sinon, on va le mettre en public, hein, le salon. Je pense que ça va rejoindre assez vite. Hein. Il est là. On va aller voir un petit peu ce que donne la pluie sur Gran Turismo. Moi, j'ai pas du tout vu, messieurs. On va mettre en GR3 et puis allez, on va mettre en public. Donc, ceux qui veulent rejoindre hein, pour quelques tours, n'hésitez pas. On commentera également cette petite course. On va un petit peu voir. J'ai aussi envie de voir du côté spectateur comment ça se passe pour la pluie. Voilà, c'est l'occasion pour vous si vous souhaitez nous rejoindre. Etienne a raison, en fait, imaginons Netflix, on peut lire des films et séries de son téléphone, Smart TV, PC, etc. Ça sera pareil pour les jeux. Ouais, c'est ça. Donc, c'est le même principe, en fait. On irait plus vers ça, quoi. Alors, bon, on espère que quelqu'un va rejoindre. Ah, Nice, de la BFR qui nous rejoint. Mon ami Nice. Alors, est-ce que j'ai le choix de l'horaire, tu sais, pour la pluie? Je pense que non. Je pense que c'est pluie. Ah si, pardon, autant pour moi. On va mettre 10h45 plutôt. Il fera plus clair. Voilà. Alors, vous verrez en vue capot derrière un pilote. Paul qui nous dit les jeux sont de plus en plus lourds. Merci pour le live, Toon. A bientôt, nous dit Haro de la BSR. Bah, à bientôt, Haro. Bonne soirée à toi. Allez, messieurs, vous pouvez nous rejoindre hein, sur cet Open Salon. N'hésitez vraiment pas. Nice est où? Il est pas en piste. Alors si Nice à l'aimer, tu peux prendre la piste, déjà qu'on est un petit visuel, hein, parce que voilà, il n'y a pas que des joueurs en tourisme ici. Limite Nice, ouais, si tu veux faire quelques tours de piste. Ah, Dédé qui nous demande en ami. Donc je pense que voilà, c'est pour rentrer dans le centre. Normalement il est en public, hein, messieurs. Je crois que je l'ai mis en public. On va vérifier. Peut-être pas. Bon, on va vérifier ça. Alors, le Claude arrive, nous dit Franco GT. Jean-Pierre Pilu, merci, super live, bonne soirée à tous, bon début, Étienne. Merci, merci beaucoup. Merci à toi, Jean-Pierre. Ah oui, donc ça c'est le pilote de la texture. David Fred et moi, on tombe en panne tous les deux juste avant la ligne. Ah, pour ça, vous avez eu une sacrée belle bataille hein, tout à l'heure. Notamment bah, sur les deux courses, on a vu hein, le pilote de la texture et le pilote allemand, ils ne se sont pas lâchés des deux courses, hein, Etienne. Ouais. Ça a toujours été propre en plus. Comme quoi tu disais, bah, peut-être qu'ils étaient trop agressifs au début, du coup, pas assez de trop de consommation pour la fin. Possible, ouais, c'est possible. Allez, on a avec Mister Nice qui prend la piste. Première image de la pluie sur Gran Turismo Sport. On est sur le Red Bull Ring avec notre ami Nice sur la numéro 15. Ah, c'est vrai qu'en spec, on l'entend pas mal hein, cette pluie. Alors on va peut-être un petit peu se mettre en on-board pour voir un petit peu... Alors
peut-être comme ceci. Oui, effectivement. Alors, Nice, hein, qui est en pneu pluie, hein, sur l'Aston. Ça a l'air quand même pas mal fait, hein, je trouve, d'aspect visuel. Etienne, qu'est-ce qu'on pense? Ouais, c'est plutôt joli. On voit plutôt quelques nuances sur la piste, voilà, qui... Il y a des flaques, quoi. Ouais, qui lancent quand même bien... Ah, des flaques... ouais, non, c'est assez sympa. Après, c'est très compliqué d'instaurer ça que maintenant. Parce que, en gros, les pilotes GTS n'ont jamais roulé sous la pluie. Et non. Donc, dans les précédents opus. Si, si, oui, avant. Mais sur Gran Turismo Sport. Ouais. C'est chaud. Ouais. Donc, on est avec Nice. Alors après, à voir également si au niveau des aides au pilotage, hein, entre chaque pilote, il joue grandement. Phil Money, on peut changer plus fort que moyenne, etc. Je ne pense pas. Hein. Je pense que c'est plus tout court, malheureusement. À me confirmer, hein, dans le chat, mais visiblement ça serait plutôt là-dessus. On est avec la Mercedes d'un pilote allemand. Et également Jalusine 3715 sur la Mercedes. Ils ont dû baisser l'intensité de pluie, parce que moi j'avais déjà vu les toutes premières images. On voyait rien. Quoi. C'était le torrent. Quoi. Ah, bah, après, ouais. Là, les voitures ne se suivent pas, donc elles soulèvent de la pluie, hein, en images de peloton. Ça, forcément, on a cet effet un peu plus fourni en termes de quantité d'eau. Ça reste. Il va falloir voir. Si le soir la pluie est moins forte qu'au milieu de journée, nous dit Gwen. D'accord, bon, bah écoute, ça sera un paramètre à prendre en compte. Oh, l'énorme glisse là, du pilote anglais, Sunny Mazzi, qui vient de se sortir avec la Mustang. Bonsoir, les pneus super tendres sont toujours bien sous la pluie. Là, on a un pilote en dur. Ouais, mais. Dur, pluie. On a. Ouais, deux pilotes en dur, ça a l'air d'être compliqué quand même. Heureusement d'ailleurs. Ah bah oui, ouais. Tu peux même pas accélérer. La numéro 6 là, qui part à la faute. Alors ici on est également chaussé en pneu pluie. Ouais, ça joue quand même à la réaccélération. Alors après voilà, il y a toujours ce facteur d'aide au pilotage aussi à prendre en compte, hein, entre chaque pilote forcément. Ah mais ça on le voit s'il est activé ou pas. Ouais, ici. Oh l'énorme glisse, Nice au premier virage du Red Bull Ring. Nice qui sera aligné, hein, sur la Corvette C7 Cup également. Allez, on va peut-être lancer une petite course, juste pour voir un petit peu comment ça se déroule en peloton. Après, voilà, on rendra l'antenne parce qu'il est déjà tard. Allez, la finale est donc partie. Espérons que ça se passe bien. Bon, si les pilotes qui étaient en dur prennent le départ, ça va être compliqué. Hein. Pourquoi pas. ça a l'air nice, hein, sur le chat qui est donc sur la grille. Alors on a mis 10 minutes de course, peut-être pour faire les 10 minutes, on va voir. Allez, ce départ sous conditions humides, la première pour la VDA TV. Et c'est donc parti, regardez Nice à la peine, hein, qui reste clairement collé sur la grille. Et le troisième, donc Jalusine 3715, qui est en pneu dur, lui, pour le coup. Attendez.
c'est quand même pas mal fait, hein. C'est pas mal fait. Alors, on va vous mettre un petit peu plus de son de jeu, pour que vraiment vous ayez le son de l'environnement. C'est compliqué d'y voir quelque chose, Étienne. Ça me paraît super. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent. Ouais, Nice qui se sort pour la BFR, l'énorme travers de Nice. On board, en fait, sur le aussi, c'est très tendu là entre Nick FGR et Lomix Sneak. Non, il semble qu'il n'y a que des pneus de pluie. Un petit temps d'adaptation, hein, c'est normal, hein, tous les gens découvrent un petit peu cette physique, un petit peu sur le bruit. Alors, je trouve que visuellement, c'est assez bien fait. C'est très correct. Hein, sur F1 2018, alors je sais pas si c'est 2019, sur 2018, je trouvais qu'elle était déjà très bien faite. Projet de cartes aussi également, pour ceux qui ont pu tester. Vraiment un ressenti énorme ce projet de cartes, je trouve, sur le bruit. Enfin, peut-être même un peu exagéré. Ici, je ne sais pas, on va essayer le pilotage, mais à la diffusion, je trouve que ça passe plutôt bien. On rappelle également que la météo n'est pas évolutive. On est sur le côté. Ça, c'est un peu dommage. Je pense qu'on ne peut pas le voir dans les championnats. Parce que ça va être un peu logique. Ah, mais ça fait partie du challenge. Ça fait partie du challenge. On rappelle que le Red Bull Ring est au programme de la Corvette C7. Hein. On va pas spoiler, non, c'est bon. Je chercherai un peu les ennuis. Pilote, c'est le plus grave. Et Phil qui dit, ouais, c'est pas mal fait du tout. C'est vrai que. Voilà, je vois. Bah, on va pas dire que je m'attendais à pire. Hein, Après, Grand Tourisme est très joli. Ouais, forcément. Le visuel est là après avoir le ressenti en place. En tout cas, voilà pour les premières images de Grand Turismo Sport version Indy. Bon, Etienne, toi, ton transport, c'est très joli. Plutôt réussi à ton coup. Ouais, très joli. On n'aurait pas piloté dessus, mais très joli. En tout cas. On va revenir sur le plateau de la BDA, on va garder les images de cet open salon tout doucement. Donc voilà, l'occasion pour moi donc de clôturer cette diffusion. Un grand merci à vous tous, vous avez été beaucoup là ce soir pour m'accompagner et accompagner Étienne dans son premier commentary. Vous étiez plus d'une quarantaine régulièrement. Donc un tout grand merci à vous. On espère que cette diffusion vous aura plu. N'hésitez pas à faire vos retours dans l'espace commentaire de la vidéo si vous êtes sur la rediff. Et puis n'hésitez pas aussi à nous faire vos retours voilà, sur le chat. On va couper les webcams et les micros, mais on va laisser voilà, le chat s'éteindre tout doucement. Et donc on pourra quand même lire vos messages. N'hésitez pas à faire vos retours. N'hésitez pas à laisser votre pouce bleu si ça vous a plu. Votre pouce vers le haut. Votre pouce vers le bas, si ça vous a pas plu, vous avez le droit de pas aimer. D'ailleurs, on aimerait bien trouver celui qui met toujours le pouce qui va. Ouais, il y a toujours. Ah, oh, ça fait partie du charme. En tout cas, un grand merci à vous tous, Étienne, pour clôturer ce live. Bah, je te laisse ta dernière part. Je te laisse clôturer à ta façon et. Ah, moi, c'est très simple. Je vous dis à la prochaine parce que ouais, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ça sera avec plaisir de te retrouver. Côté stream, All Gamer, c'est prévu demain soir peut-être Bah pas ce soir, là, je pense pas. Ça serait exagéré si je repartais en stream. Mais ouais, sûrement demain soir. Enfin, c'est même sûr demain soir.
Bon. Demain soir, donc, pour notre ami Étienne sur All Gamers TV, un tout grand merci à vous tous. On vous souhaite une agréable soirée et rendez-vous pour le prochain stream jeudi pour la Miata Challenge by GT Illusion. Donc voilà, rendez-vous jeudi. Ciao, ciao, bonne soirée à Merci, tous. ciao, ciao. Salut.